Parce que c'est encore l'ancien. Ancien quoi? L'ancien message de l'ancien titre. This title may conflict with Twitch moderation. Oh, wow! Quoi que Faut c'est? pas mettre massacre. Ah, car à Ok, cause ouais. du. Ok, c'est le nom qui a pas passé. Ouais, Ah. ok. Nouveau, Nouvelle nouvelle aventure. saison. Nouvelle aventure, ok. On va essayer ça. Ouais, pourtant, moi, ça a passé. Moi, j'ai marqué des anciens Néphalines sortis de leur retraite pour péter des gueules. Ça a passé. Ouais, oh shit, il me dit encore. Comment ça, moderation pour ici? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est anti-stress qu'il n'aime pas? De quoi? Anti-stress? Qu'est-ce qu'il y a de Bon, méchant là-dedans? un tag Je en sais tout cas. An error occurred. What the fuck? Bon, je vais mettre multi. Tu vas me dire c'est quoi ton problème? Est-ce qu'il n'aime pas le mot anti? J'aime pas l'antithèse là, yi. Comment? Non, parce que t'as anti dans ton antithèse, donc. Non, mais j'ai C'est pas pas mis ça dans mon titre de Twitch, là. Non, mais toi, What the fuck? Ça commence à m'énerver, là. Bon. Est-ce que ça a marché, là? Ok, ça a marché. What Bon. the hell? C'était un barbare, ish, Skaz. Non, 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 j'avais écrit nouvelle saison, nouvelle aventure. Un seul Ouais. c'est bien, mais à trois c'est mieux. Mais il n'aime pas le fait que j'ai mis à trois c'est mieux. Ah, à cause de ménage à trois. Ouais. What Mais the fuck? T'es vraiment cave! ménage à trois. Ça, c'est le genre de choses que si on écoutait live, t'aurais été Oh cuit, my god. t'aurais fait pipi, t'aurais été écœurant. Ben, Oh vous my pouvez le faire au god. début de mon live, c'est fou. Ah, tu es en live? Je Bon, ok. Au pire, que Ben. ça fait clipper par toi? Oh my god. Ben, je Peut-être au pourrais. début, fait que ça va être Ouais. facile. Ça veut dire que j'ai bien fait de changer 3 pour D. Oh my god. Ça, Moi, c'est c'était sûrement comme quelque à chose. 3, à compte c'est 3, à ménage à 3 encore une fois, mais c'est calme. Je sais pas, mais C'est vraiment c'était calme. vraiment calme. Oh my god. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas mon titre? Pourquoi il n'accepte pas mon titre? J'ai dit, ok, est-ce que c'est le anti-stress? Il n'aime pas le mot anti? Mais non, c'est le ménage à trois qu'il n'aime pas. Ah, c'est calme. Est-ce que c'est What calme? the Oh, mais je parle plus de bonus. Fait que toi, Chaos, t'es le. T'es Le. le close friend, moi je suis la distance. Voilà, d'après la classe que j'ai vue, ça là, je suis dans le DPS, là. Dans le DPS, ok. Donc, ouais, encore, encore. Donc, il faut le choix de la nuée de d'Enby. Je pensais que j'étais DPS, mais bon, tant pis. Bon, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Parce que c'est le personnage qui veut ça. Avec le Ouais, build c'est puis ça. tout, là. Donc. toute façon, ça a l'air que mon personnage brille plus en groupe que tout seul. Ah, ok. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est soirée no stress, donc on prend ça tout à fait relax après une bonne semaine. Oh God, Donc, oui. Hello! T'as pas y retarder? Restez les sons. Ça Hein? fait longtemps que je l'ai fait. Ouais, mais je viens d'ouvrir la Ouais. page. C'est bon ça. Je l'ai fait à 7h59. Ouais, Et ça, c'est c'est de parce la que décision, ça. j'avais pas Les ouvert fêtes à l'onglet. 7h59. Ah, oh, parce que c'est mon chat qui s'appelle Chatty qui me dit à quelle heure. C'est pour ça. Ah, ok. Voilà. C'est parce qu'il est pas là, je vais le faire quand même, tu sais. Qui? Ah, Pando? Il n'est pas encore arrivé.
Non, non, je suis beau. Mais peut-être qu'il est parti prendre une bière. Ah là là. Bon, appuyez sur n'importe quelle touche pour commencer. Ah là, je vais rejoindre... Antithèse. Antithèse. Tu as déjà rejoint Skaos, là? Ouais, Skaos m'a rejoint, en fait. Ok, ben je te rejoins d'abord. Non, parce que c'était ça qui était déjà dans une partie, donc... Ouais. Ok, donc toi, t'as pris... Ah ouais, c'est vrai, toi, t'as pris le sorcier. Ok, ouais, moi, je suis sorcier. On a un barbare. Skaos, c'est niveau 61 à... Déjà, tu sais. Mais faut dire que lui a joué, contrairement à moi, que j'ai joué hier. Et puis moi, c'est le Necromancer. Ben moi, c'était plus pour débloquer certains trucs qu'il fallait faire, donc... Non, ouais. Je comprends. Parce que je voulais avoir quand même bientôt les premiers kits. De toute façon, ici, c'est plus pour du farming, donc on fait du farming, oui. Et puis chaque personne va augmenter son niveau. Oh, j'ai pas regardé, tu as mis quelle difficulté? Expert. Moi, je mets expert. Expert? Ok, c'est bon. Ouais, je mets expert. Ok, c'est bon. Donc, on va commencer Les primes à reprendre. Ouais, on va commencer les primes, là. On va faire Chant du Malheur? Sure. Ok. Donc, Antithèse, tu dis que toi, tu n'as aucune idée ça va être quoi ton armure et ton compte si jamais tu arrives à niveau 70. Je vais pas regarder. J'aime la surprise. Écoute, c'est comme Resident Evil 2, de ce que je comprends. C'est que même si c'est un jeu que je joue à la petite main, d'avoir des surprises. Ah oh, c'est quoi ce truc là? Ah. Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'augmenter le niveau. C'est moi. Oh, attention. Qui est-ce qui veut mourir? Hey, c'est qui m'envoie des trucs électriques là? Le fait que ma magie a réduit à peine. Oups. T'as pas fou, je tasse ma tête pour savoir le niveau d'antithèse. Non. Moi je me suis mis en haut à droite, donc je vois vos doigts à tout le monde. Ok. Donc, tu as déjà passé niveau 18. Ouais, t'as la. Alors le premier ennemi que j'ai tué est pas mon niveau 18. Mais oui, ça c'est bon. C'est une bonne chose. Oh, on a fait un move. Intéressant. Ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est que même si on joue à plusieurs, chaque personne trouve des loots en fonction de où il est rendu. Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Donc ça, pour ça, c'est intéressant. Ça balance les choses, tu sais, fait que... Ouais. Juste un instant. Ah, on va faire ça tantôt, pas grave. Non, les affaires, il faut mieux rentrer dans ton inventaire quand on a fini. Ben c'est ça, moi je parlais de les équipés là, mais... Les Y a quelqu'un qui a augmenté encore, yes! Ouais, c'est moi. Ouais, moi aussi j'ai augmenté, je suis niveau 45 maintenant, ça je crois. Non, pas 44. 44, ok. l'objectif est dans cette direction, c'est bon. Comment tu trouves la mécanique de sorcier? Ben, je l'aime bien. Mon préféré demeure. C'est pas là que j'ai essayé. C'est aussi le truc que j'aime le moins. C'est quoi?
celui que j'aime le moins, mais, mais je l'aime pareil, là. C'est qui? Mais je préfère le... mettons, le... Le moine jusqu'à maintenant. Même si le Ranger, le Ranger, oh boy. Voilà. Le Ranger était quand même cool. Ok. Mais en général, c'est un jeu cool. Diablo. Bah, ouais, mais en fait, l'affaire, c'est que. Oups, il y a des ennemis qui arrivent. Ouais, c'est ça. Oh, les affaires lui. Peut-être t'as tué toi? Non, je peux dessus, non. Okay. C'est pareil! C'est moi. Qu'est-ce qui téléporte en plus ces bestioles-là? D'accord. Ah ouais! T'es capable de mourir, t'es capable! Comme un grand garçon! Moi, j'ai pris une compétence qui fait que quand j'attaque l'ennemi, j'absorbe sa vie et puis ça fait remonter ma vie. Ben oui. Donc, en fin de compte, là, à moins d'une très grosse bad luck, là, je devrais pas mourir. Comme tu sais, la magie, tu parlais à quelqu'un tantôt dans mon jeu concernant ce que c'est. Mon personnage préféré. En même temps, j'aime bien les capacités qu'offre la magicienne. Ok. Moi, je vais te dire, j'aimais beaucoup, j'ai bien aimé Marin avec celui que tu fais là. What the fuck, chienne, okay. Que j'ai évoqué? La magicienne? J'ai pas chienne. Vraiment aimé le moine, tu vois. What? Bizarrement, mm-hmm. Là, j'ai pas vraiment aimé le moine. Mm-hmm. Mais mon dieu, depuis que j'ai essayé le Necromancer, oh my god, c'est comme devenu mon préféré de tous les temps. Je veux dire, oui, il est OP, mais il est tellement fun en même temps, comment tu peux... Oh. Moi, tout ce que j'aime, c'est expédier des cadavres pour tuer des gens. Ah non, ça c'est juste drôle, là, écoute, là, c'est juste le drôle et le fun, là. Non, c'est dégage. Toi, Skaos, toi qui les as tous faites, est-ce que c'est un personnage que tu aimes le plus? Bah, les nécros, c'est lui que j'ai avancé le plus. Les nécros aussi? Oh mon dieu. J'ai pas vraiment maîtrisé le barbare. Le croisé, je m'en souviens pas parce que je l'avais juste fait pour avoir le niveau 70 et je l'avais fini quand même assez rapidement. Vu que j'étais avec un personnage OP à 4 Chaos. Où est-ce que vous êtes passé? Hein? Moi, j'étais en bas. Ah, oh, ok, c'est j'ai deux amis qui pourchassent, mais là, je l'ai détruit. Non, mais ouais, l'objectif. Où je suis? En haut. Ah, oh, ok, c'est l'objectif qui est en haut. Suis les flèches jaunes quand tu vas. Ouais, c'est pas long, parce que ça sert à rien de s'en aller ailleurs. Non, je sais, mais j'ai comme un ennemi qui venait de mourir là. Voilà. Excusez-moi. Si la flèche bleue. Oh, allô? Je pense que notre moyenne de kill vient d'augmenter. Oh! Nice. 116 victimes. Oh my god. Répétez. 116. On a fait 116 victimes. Wow. Avant la fin du temps. C'était épique. Bon, on peut partir d'ici, non? Ouais. On devrait. Profiter pour monter, ouais. Et bien monter. Enfin, c'est sûr que c'est compétent ce truc là. Ouais, c'est le moment de regarder c'est quoi qu'on a eu. Beaucoup de choses. Ouais. Moi, pas tant que ça. J'ai décidé de ne rien garder qui n'est pas utile. Donc, si une chose n'est pas... Je ne le mets pas, je le vends.
Ben c'est pas mal, ouais, c'est pas mal l'idéal en fait. C'est quoi, c'est ça? Oui, c'est non. Voyons. C'est ça, parfait. Non, pas en tout. Excusez, là, c'est un... Ouais, ok, ok, dans le fond, je l'avais depuis le début, je suis épais. Je suis épais. Ok. What is it? Oh, ça je veux. Ça je veux. C'est quoi ça? Lance d'os? Mage squelette? Non, je garde la lance d'os, là, elle est trop bien. Ça va être utile pour les combats. Regarde. Je vais savoir de ça. Non, c'est pas ce que je voulais là. T'as Resident Evil. LOL, Resident Evil. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, Resident Evil? Non, c'est les statues que je vois qui pop avec mon le chien. Il y a les streams où je suis. Et toi, t'es déjà parti ce cas? Non. Je vais juste noter ceux que je dois tuer à peu près au niveau 60, mais avec difficulté. Certaines difficultés. Ça c'est joyau, je peux pas le faire. Remplacer la propriété de musique dans sa l'enchantement après mystique. L'enchantement est très utile pour moi. Ça je l'ai déjà fait. Donc il me reste juste à tuer ces deux là. Uriel. Ouais c'est ça, il y a Arena de la première quête. Ça c'est... Acte 1. Uriel, il se trouve où, Uriel? Voilà. Uriel. Ok, lui il se trouve à l'acte 5. Ok, au moins j'ai mis. Hey, mais ouais. Oh, il y a vraiment des compétences intéressantes. Comme moi, je vais mettre une compétence, je peux ralentir le temps autour de moi. Oh, nice. Ouais, j'en avais, ouais, j'ai une sorcière qui s'amusait avec ça, puis ça faisait beaucoup de dommages. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis. C'est ça. Je peux m'en dire tantôt, ou pas dans le prochain trip. Très cool. Bon, pas besoin de ça. Sorcier, les poumons, on s'en fout, je suis pas sorcier. Résistance du feu, résistance physique. Ah. Bon, ben, quand c'est parti. Bon, de toute façon, il n'y a pas de méchant, donc je peux vous attendre. Mmh. Ah, t'es prêt, toi? Ouais, il est prêt. Là, je l'ai rejoint, mais on va t'attendre. Ah, j'ai fini de vendre des trucs et puis j'arrive. Ah ah, c'est pas comme dans Fallout 76. Tu me donnes des coups pis c'est comme si rien n'était. Ah ah. Ouais, justement, Pando m'avait aidé pour lancer le missile. Really? Ouais. Ben, tu sais, d'habitude, tu lances, je sais pas, genre vers le terrain Goff ou je pense la Five Prime, comme tu l'appelles. Mais moi, c'est juste parce qu'il y a un connard qui m'a piqué mon emplacement de camp. Puis que Pando m'a suggéré de lancer un missile que je pouvais. Là, je me dis, je vais me venger en lançant le missile sur l'emplacement de son camp pour me venger. Mmh. Et puis ça a comme tout écrapouti? Ben, il n'y en avait plus. Oups. Il n'y avait, hein? Avait plus rien. Mais est-ce que ça a amené des bons loups?
Bon, on a eu quelques plantes. Ça a l'air que ça. Il y a eu beaucoup de Wendigo dans le coin. C'est ça, c'était pas un emplacement idéal, mais c'est pas grave. Moi, mon but c'était vengeance. En premier, donc. Vengeance! T'as piqué mon emplacement, je t'ai envoyé un missile. Lesson learned. Ça vous a un niveau 2. C'est donc bien brumeux là-dedans. C'est une caverne. J'aime bien cette vague-là aussi. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais un familier. Là, je peux me téléporter maintenant. Attention, ça fait... Oh my god. Alors ça fait mal, man. Oh, ça fait mal. Ah shit. J'ai dit pour ton niveau. Tiens, toi. Bon, il y a aucun cadavre qui traînait là. Non, parce que moi j'ai un d'épouvant que si j'ai beaucoup de d'ennemis que je peux frapper avec mon plaquage, il va s'activer plus souvent. Ok, ouais. Oh. Donc quand il y en a juste quelques-uns, c'est pas très avantageux. Ouais. Mais quand il y en a genre 10, là c'est... Ouais, là c'est... Ouais, parce que là je peux rentrer dedans comme je veux. Il fonce dans les ennemis. Oh, il y a un jaune. Wow. Ouais, attention au rayon, hein. Ouais, c'est ça, je me suis fait avoir une fois, là. Hop. Ok, c'est bien un, là, c'est bon. Je vois rien de là où je suis, là. Oh, merde. Non plus. Je voyais pas l'angle. Ok, ressusciter près du cadavre, ça va, là. Oh, okay. Bravo. Oh, je dois aller réparer mon armure après. Oh, enfin. Excusez-moi, les deux ennemis qui font encore... ils veulent mourir, là. Yep. Oh, pas long. Ok, on va les activer parce qu'ils font chier. Bon. Voilà. Est-ce que ça va de votre côté? Ok. On essaye. Oh, j'avais oublié de faire réparer mon truc. Donc, quand je vois direct le forgeron, je répare direct. Oui. C'est tout le temps ça que je fais. Peu importe si sont à peine, je répare direct. Il en reste 4. Ah, ça c'est pour retourner au Val 26, non? Oui. Ok, nous on s'en va. Et toi, on a deux ennemis, les deux derniers ennemis. Yes, nice! Ouais, 62.
Allez, on retourne en ville. Alright. Bon. Je vais aller voir le forgeron Illico Presto. Illico Presto. Est-ce qu'il peut apprendre des trucs? Ouais, il peut apprendre des trucs. Ok, mon forgeron est niveau 7 maintenant. Oh, je peux le faire niveau 8. Ouais, niveau 10. Oh, je vais même pas le demander pour ça. Ok, je vais réparer. What the fuck? Mon personnage roulait tout seul. Bon, ça, je peux vendre ça. Sabre Mamelouk. What? Mamelouk? Le sabre s'appelle le sabre Mamelouk. Ok. Oh, wow. En plus, j'en avais deux. Vous étiez deux Mamelouk. C'était deux Mamelouk. Ok, j'arrête. C'était juste parfait. Ouais, c'est très bien timé. Sabre Mamelouk. Ok. Oh my god. Hey, salut, Aguimette. Comment ça va? Oh oh, mon pote. Aguimette. Allô, Aguimette. Aujourd'hui c'est soirée zéro stress. On se casse pas la tête. Oh non. C'est le jeu parfait pour pas se casser la tête. Oh non, effectivement. Ah, je peux porter un bouclier avec l'arme que j'ai en main. N'est-ce pas magnificent? N'est-ce pas magnificent? N'est-ce pas beautiful ça? N'est-ce pas beautiful ça? Mon ami, t'en veux-tu des patates? Des patates. Des patates au cheese, oui. Des patates pilées, des patates. Oui. Tu as jamais entendu ça? Oui, ben oui, dans le. Dans l'annonce. C'est sûr que oui. C'est des patates au cheese, oui. ça va pas te prendre un. Comment ça? Ça va. On va pas t'en donner un seul. Pour plus de retard. Ni 2, ni 3, 16 Winnie World 2006. Tu vas pouvoir en mettre partout ce que tu veux. Dans la chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine. Tu pourras même donner à tes amis. Tu as une petite voix aussi italienne en même temps. Hein? Tu as un petit accent italien en même temps. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Parfait, let's go. Bon, je vais. On va aller. Allons voir les cavernes d'Aranea. On va liquider pour une fois. Pour une fois pour toute l'araignée. Bah, justement, c'est ça que j'ai besoin. Ben, tu as qu'à juste me suivre. Oh, oui, oui. Non. Vois-tu? Ah, ok. J'aime le fait que ton personnage a une arme, mais l'arme ne sert à rien. Genre, ouais. Par qui? Il ne faut jamais l'animation que tu te sers de l'arme que tu as en main. Ouais, ça c'était un des reproches que j'avais fait au début quand j'ai joué au jeu. Parce que dans le 2, tu utilises l'arme pour tout et n'importe quoi, mais dans celui-là, il sert pas à grand chose. Non, il sert pas à grand chose. Oh my god. L'araignée. Une araignée. Araignée. Elle était là dans la salle de bain. Salle de bain. Elle a fait ça. Je suis sûr qu'elle a jamais entendu ça, toi. T'avais de prier. Donne-moi une chaise.
Allez, meurs. Merci. Attention, ça va exploser. Sortez de la zone. Ok. N'oublie pas, je suis immortel. Thunder. Give me thunder. Ah, t'écoutes la musique en plus. Je pensais que t'allais redonner la Thunder de Thunderstruck, en fait. Thunder? Thunder? Cette musique-là, j'ai jamais compris. Ils disent rien là-dedans, à part Thunder. Thunder, c'est le Thunder. Lightning and a Thunder. Ben, c'est ça. T'as juste qu'est-ce que tu vois, puis que t'entends. Ouais. C'est fou. Ça c'est dans quoi qu'elle reste, c'est le Seigneur des Anneaux, non? C'est quoi? Ça fait longtemps que j'en ai pas écouté. Hein. Pareil. Ah, j'avais écouté le Hobbit. Moi, j'avais réécouté le premier épisode du Hobbit. J'ai jamais vu le troisième. T'avais pas vu le deuxième ou le troisième récemment? J'ai vu j'avais regardé le premier. Je me rappelle avoir vu le deuxième, mais je me rappelle pas avoir vu le troisième. Il faudrait qu'un jour je me décide de regarder tout dans l'ordre. Ça veut dire de regarder les trois Hobbits. Ouais. Et puis après les trois Hobbits, de regarder les trois Seigneurs des Anneaux. Oh. Faut pas oublier là-dedans qu'il y a aussi le épisode 4, 5, 6 de Star Wars qui sont édités. Quel Star Wars? On n'est pas dans Star Wars, là. Non, je dis, on parle d'écouter des films. Attends, tu vas pas loin, toi. Où est-ce que tu vas, gobelin, reviens! Gobelin! Ben, donc. Bon, mes trois frères se sont arrangés de tuer. Merci. Cric, crac, et croc. Des bons Rascus Peeves. Miam, miam. Tu vois, moi, tu sais, je ne connaissais pas du tout la version en français. Parce que moi, j'ai toujours connu Snap, Crackle, and Pop. Oui, exactement. Et puis, quand j'ai entendu en français Cric, crac, j'ai dit, c'est quoi cette chose? Là, tu parles de mon enfance, là, attention. Ton enfance était pourrue. Ouais, mais on avait des jeux vidéo dans les boîtes. Ton enfance était là. C'est le contraire. Ça, là-dessus, maman, je peux pas dire le contraire. Oh my god. Je suis pas forcément à plein vide, mais. Oh, araignée, meurs. Oh, c'est pour ça qu'il dit ça, ouais. Ok, bon. Oh, ben non. Il y en a plein de jeux. Je crois que c'était plus. Non. Nice, niveau 47. What the fuck, pourquoi je peux pas sortir de là? C'est qui a mis ce cercle? Ah, ok. La sorcière. Quelle sorcière? La sorcière, désolé. Ah, ok. Bah pourtant je vois. Non, c'est bien une sorcière. J'ai une affaire qui va chercher tes os sur les cadavres et qui me fait une armure avec. Ouais, t'as un trophée là-dessus ou est-ce que tu dois le faire sur le roi scorpion? Pas scorpion, le roi squelette. Le roi squelette? Oh, je vais faire ça sur le roi squelette d'abord. Ouais, c'est comme tu dois lui piquer de la vie avec ton armure. Bon, il est où le truc, en fait? L'objectif, c'est pas là? Ah ben oui. Cet adversaire va rendre l'âme. Il
Eww, quelle est cette araignée? Quelle est de l'araignée? Anti, t'es dans la mauvaise direction. Où êtes-vous? Ah non, je vais rejoindre. Ah, ok. Ah oui, c'est l'araignée, là, j'ai... Ça prend des battes. Oh. Oups, ça a explosé. Oups, j'ai dit ça et puis je suis entré dans le rire d'explosion. Non. Ça va, Anti? Ouais, c'est juste que ça me gosse un peu le... que mon arme, ça prend 6 secondes, à recharger. Sors de là. Just in time. In the nick of time. Tu peux me laisser ramasser ce qu'il y a à terre là. D'où tu sors, humaine? Enfin, est-ce que t'es humaine? Qu'est-ce que tu fais dans l'antre de l'araignée? T'as l'air humaine. Like. J'arrive pas à croire que Twitch m'ait censuré le fait que j'avais dit à 3 c'est mieux. Wow, ça là. Ça c'est faire. Juste épique. Non, je suis rendu au boss. Au boss, ok, on va oublier. On arrive. On est en train de faire des milliers de dégâts et faire antithèse augmentée là. Oh, quand on a bloqué Blizzard, ça faisait pas de tantôt. Est-ce que tu te rends compte que tu étais niveau 17 tantôt? Ouais, ouais. Tu as pris 10 niveaux déjà. Ouais, ouais, je suis grateful. Allô, allô. Oh mon dieu, à noter que l'objectif est en haut, donc on va arrêter de descendre. Ouais, on est en haut. Au pire, on va se faire, on va se reculer, regarde, en prenant des coups, c'est tout. Hey, Skas, viens branche, comment ça va? Viens branche. Ouais, c'est très français ce truc, alors voilà. Quel familier tu as pris, toi? Moi, c'est juste la famille de base que j'ai. Ah, c'est pas dans mon geste. Ah, ok, non, j'ai juste la spot. Excuse-moi, parce que j'ai StarCraft, parce que j'ai également un familier. Ok, watch out, c'est celui de base là. Ouais, le basic. Là, elle là, elle a peur à l'entrée de la terre, mais moi aussi. Et un peu là. Là, elle est partie au moment que mes frères sont partis. Ah, je peux invoquer trois guerriers. C'est des anciens. Moi, je vais invoquer des dragons, c'est vrai. On va revenir. Oh my god, elle a failli me faire peur en tombant du plafond. J'aime le « elle a failli te faire peur ». Ouais, elle a failli. Juste failli. Bien essayé, bien essayé. Dragon va l'aider à faire des dégâts, là, j'imagine. J'aime le fait que sa vie a l'air de ne pas descendre. Non, elle descend juste correct. Parce que je fais plus de dégâts quand que j'invoque les trois. Quand t'as plus de vie autour de toi, t'avais dit, là. Attends, là, mon dragon va sûrement faire des dégâts également. Là. Non, parce que tant que j'ai pas l'armure, je peux pas les invoquer longtemps. Ouais, quand je faisais cadavre d'autres araignées pour la tuer, ça va mieux. C'est sûr.
Ok, non, t'as arrivé ça, t'as arrivé ça. Ça descend plus vite quand ils sont là. Ouais. Ouais, bon, moi je l'ai mon truc. Parfait. Nice. Uriel, ça va être plus tard, lui, parce qu'il va être plus tough. Je dois rentrer en ville. I must go back to town. Dis-moi en français, moi aussi. Image miroir. Miroir. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Ah, oh, les trucs que t'as trouvé. Ouais, c'est ça. Allez, gars, on va t'en faire. J'ai trop de choix. Soudainement, j'ai trop de choix. Ouais. Et merde. Ça a l'air intéressant. On va aller. Ah, j'ai peut-être devant le marchand, bordel. Non. Oui. Tu crois? Non. Oui. C'est l'obstination du non et du oui. Les enfants. C'était dans Astérix, mission Cléopâtre. Non. Oui. Non. Le film? Oui. Oui. Non. Quand ils étaient en train de s'obstiner. J'ai pas besoin de tout ça. Ok. On va maintenant mettre des petits. Holy crap! Ouais. J'ai ceinture entaillée de Blackthorn, mais je peux pas l'utiliser là parce que j'ai pas le niveau, mais elle est pas pire. Donc juste qu'elle est pas pire. Est-ce que je peux dire que la petite musique de guitare qui joue en background est très jolie? Ah, parce qu'elle elle vient du 2 aussi. Elle est magnifique, tu veux dire, first. Parce qu'on est dans le mois où ce que c'est spécial. Comment elle s'appelle? Tristram, ma version Diablo 2. Ah, ok, fait que c'est un hommage dans le fond. Ouais, c'est un événement, mais qui est dans le temps. Non, mais je veux dire, c'est un hommage. Aussi. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire avec les pages de Sectateur? Je sais pas, mais moi j'en ai des doubles, puis je sais plus quoi en faire. Ouais, moi aussi, j'ai la page 1 trois fois. J'ai la page 2, 6 et 7. Mais j'ai la page 1, 3 fois. Ouais. Enfin, je pense que je peux. Moi j'ai 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que quand tu essaies de te dire, maman Jo, c'est pas de te plaindre. Ah, ok. J'avais pas compris ce petit détail. Hein, okay, encore. Alors, je suis venu là pour en chasser, mais c'est le temps que je ne vais pas en chasser. Lui, c'est 100 points de vie par tour. Arme, autre, c'est un sujet de vitalité. Bon. Okay, on va le mettre sur l'arme.
Il manque des trucs de 70, mais c'est ça qui est chiant. On va prendre dextérité, on va le mettre à l'armure. Dégâts. Lui, j'en ai déjà 6. C'est sur 11. J'en ai juste un. Dessus mon personnage, qu'est-ce que vous voyez comme nom? Vous voyez Dampfeng ou vous voyez Antithèse? Antithèse. Ok. Donc, pour ça. Chaos, je vois ce chaos aussi. C'est ouais. Normalement, on voit nos nicks de. Pas le nom du personnage. Hein. Ouais, on a réussi. Moi, je vois Lord Pando pour moi. Moi, c'est Dart Pando. Alors, on aime tous Pando. Il y a juste moi qui prends un numéro C pour le fun de Pando aussi. BS tête pour monter 70. Bah, pour le moment, je suis pas, je pourrais dire, pressé. Donc, pressé. Hein. Non, parce qu'il m'offre son aide pour augmenter jusqu'à 70. Haute Terre du Nord. Let's go. Ah, il y a quelqu'un qui te demande une aide. En fait, il y avait le chum à Clé de Cristal qui voulait nous aider aussi, mais lui, il est sur PC. Non, c'est ça. Puis comme c'est pas multiplateforme. Oh non, non, tu vas pas me geler. Ah, il me fait chier, il a sauté au moment où je le plaquais. Ah ouais? Ça l'a pris. Ouais, ça fait comme avec le boucher. Moi, je m'ai pris, j'ai pris le mur. Mais, my god, le boucher, est-ce que dans Diablo 1, le boucher, c'est une véritable catastrophe? Ouais. Écoute, le boss, c'est un boss de début, mais il est dur as fuck. Parce qu'à part ça, tu vas un petit peu trop rapidement le voir, c'est pour ça. Ouais, mais franchement... Pour ça, moi, je me dépêche pour prendre le de son marteau. Après, là, je le finis. Parce qu'au moins, si je meurs, au moins, j'ai déjà le marteau. Le marteau... Non, parce que, quand tu fais sa quête, il donne le marteau pour justement le. Ben, c'est plutôt le forgeron qui s'appelle, quasiment. Mais c'est le boucher, en tout cas. Diablo 1, là, n'est-ce pas? Non, 2. Moi, je crois que 1. Non, mais il fait son retour dans le 2. Diablo 1, là, il est comme dans le premier donjon. Premier donjon. Il doit rentrer. Il est dans le premier donjon. Il est comme au milieu du donjon. Et puis, essaie de le battre. En plus, tu peux pas courir. En plus, tu peux pas courir. Écoute, là. Ça, c'est une des raisons que je juge pas, ouais. Chaque fois que je passais devant sa porte, j'étais énervé. Parce que il était impossible là-bas. Donc, en fin de compte, j'ai fini par l'ignorer. Tu vois, comment cette map, là? Elle est donc weird. Oh my god. Je vous dis que ce que j'ai à faire, c'est petit mimétisme. Tu vas y arrêter de se multiplier. Ok, je l'active quand il est plus là. What the fuck? Le baba fait un cri qui ressemble à Fusroda. Non, parce que c'est comme un mode berserk que j'ai, c'est pour ça. Est-ce que c'est par là? Non, c'est vers le haut.
Ouais, je sais, mais c'est où qu'il faut aller vers le haut? Vers le haut. Alors, ok, on va aller vers le haut. Oh, niveau 48! Niveau 48! GG! 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 J'aime pas l'avoir en français de la sorcière. Ah, si le maître me voyait! C'est avec quasiment sexuel, c'est genre. La voix française du. Il y a une sorcière qui a dit ça? Ah, si le maître me voyait! Quand je monte de niveau, elle dit toujours Ah, si le maître me voyait! Je n'opinerai pas là-dessus. Ben, t'as le droit, évidemment. What the hell? On m'approcher si je veux. Ah, je vous amène la compagnie. Ah non, ils viennent pas, ok. Hello, okay. Les amis. Ah ben oui, il a suivi jusque là, le temps. Il est mort maintenant. Il est mort, le zombie. Oh, les beaux cadavres qui jonchent le sol. On va les envoyer dire bonjour à leurs petits copains. Niveau 30. Yes. Oh, j'ai entendu un gobelin, il est à ma droite. Attends. Oui, je l'ai trouvé, il est là. Un gobelin qui lâche des diamants en plus. Oh my god, je pense qu'il nous a attiré dans un piège, le maudit gobelin. Ouais, pas tout le temps, c'est ça, il va tout le temps dans les mobs. Bon, ben, écoute, là, il est parti. Ah, merde. Mais pas grave, on a une superbe... une superbe zone avec plein... Ouais, j'ai vu ça. L'occasion de level up. Moi, dans un coin, je suis pas très très content. Tu sais que le bouton, le analogue droit peut faire des roulades, hein? Mais c'est ça, même avec l'analogue droit, tu peux pas faire de roulades. Ah, je sais pas, juste derrière. C'est vraiment pogné dans un coin. Oh, il y a un petit coffre ici. Ok, bon. Ok, c'est par là, ok. Ah, mais en fait, quand on était dans la bonne direction. Oui, quand même. Oh, l'événement. Ah, l'événement était rapide? Non, oh, c'était juste tuer les ennemis, c'est tout. Ah, ok. Ouais, c'est ça. J'avais on n'a pas encore fini la prime. Ok. On doit tuer Krailen, le pernicieux. Okay. Pernicieux, ouais. Les Kramlin, le pernicieux. Sur le pont d'Avignon. T'as vu le pont, en fait, écoutez, j'ai pensé sur le pont d'Avignon. Comme... Je pense qu'on a tous pensé au pont d'Avignon. Oui. Le manoir de... Cours du manoir de Léoric. Oh, les ennemis, chic. Qui resteront pas longtemps. Qui veut mourir? Ah. C'était rapide?
Ton genou encore ou ton dos? Ouais, mon genou. Genou orteil, genou orteil. Genou orteil. Pas ça. Il y a une nuée de morts vivants. Il est où en petite tête? En bas. Qu'est-ce que tu fais? Vous autres. Tu es dehors ou à l'intérieur? À l'intérieur encore. Dans quatre. Pas si mal, pas si mal. Attends, puissance. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Okay. Ici. Ok. J'avais espéré qu'il y ait autre chose en bas, mais tant pis. Ok, il est où le freaking terme ici? Il est mort. Ben non, la quête est finie. Ah ben oui. Pour ça, j'ai dit, il est mort. Ah, je n'avais même pas vu qu'on avait tué, c'était trop rapide. Moi non plus, j'ai pas vu non plus de... J'ai pas vu quand il a dit que la fin était finie. Confirmation, quoi que ce soit, là. Non, j'ai pas eu aussi de confirmation pour la fin. Si c'est ce que je pense, ouais, un peu, hein. Faut être peut-être dans la zone. Ok, ouais, il est peut-être dans une autre zone, là. Ouais, ben ok, on sort d'ici ou Non, je penserais pas. On a pas vraiment eu l'expertise de la confirmation. Ah, c'est mais ça, c'est parce que il est pas à droite, il est à gauche du château. Ok, c'est bon, on n'a pas encore fait, c'est ça que je disais. Non, ça me l'a déjà fait une fois. J'ai cru avoir fini, mais en fin de compte, monsieur était ailleurs. Ah, ben voilà. Ça va pas, ça là. Yes. Oui. Voilà. Là, on a eu la confirmation. Ouais. Ok, là, on peut refermer. Hey, le petit chat. Fais des broum broum. À Jazz, Scott. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Non, c'est tout. Ça change des. De parfois les chats qui peuvent être antisociales. Juste because. Bon, est-ce que j'ai eu quelque chose de papier pas très. Oui, ça me donne de l'attaque, mais ça m'enlève de la défense. Tu sais, je change sur du monde, j'ai besoin de défense. J'ai trouvé le tibia de quelqu'un. Oh. T'as trouvé le tibia de quelqu'un? J'ai trouvé le tibia de Léoric. Et puis comme description, ce morceau calciné de Léoric était manifestement relié à son genou et sa cheville. Ah ouais. Cramé jusqu'à l'os. Ah ouais. Tu penses. Ouais.
c'est du gros n'importe quoi. Bon. On va vous vendre le surplus. Parce qu'en vrai, parce qu'en Union soviétique, et cette blague n'aura plus sa fin parce que je me rappelle plus de où je m'en allais avec. Il y a un gars dans ma classe qui s'appelait Petrou. Avec une soviétique Russia Petrou. 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 Une soviétique Russia. Attends, on l'entendait. J'en reviens, toi, de pas long. Ok, nous avons montré par temps là, c'est pourquoi il était déjà à campagne. Bon, ok. Voyons. Éternel à campagne. Terminé une faille Néphalem. C'est l'obélisque Néphalem qui se trouve en ville en mode aventure pour rentrer dans une faille. Attends, tu as fini le chapitre 1? Non. Combien tu en as de fait dans le chapitre 1? Un seul, c'est le. Celui c'est qui que je atteigne le niveau 10 avec joaillier. Atteint le niveau 10 avec forgeron. Je peux pas atteindre lui parce que j'ai pas. Il manque du matériel tout le temps. Donc tu as pas encore fait 5 primes? Non. Non, j'ai fait 5 primes. Ah, oh, mais tu vas l'avoir bientôt. Excuse-moi, j'ai fait 4 primes. Ok, on va faire le 5e là. Atteint le niveau 10. J'ai fait 4 primes. C'est juste, ça fait 5 gens dans votre qui m'associe au tout, c'est correct. Ça fait vraiment, ok, j'ai deux, j'ai deux périodes de fait. Un simple passant, puis plus elle se mire, plus elle s'admire. Et ça, étant recommençant, tu peux faire plus tard, ça c'est pas un problème que ça. La saison de la chatte est ouverte. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, terminer une faille NFLM, tu peux faire plus tard, c'est pas un problème. Non, ça, on peut faire maintenant. Ok. Certes, 5 gemmes dans votre équipement, ben ça, je peux pas. Mais tu n'as qu'à aller voir l'artisan. Tu vas combiner d'abord les gemmes et puis après ça tu les sertis. Non, pas elle, lui. Non, c'est le test. Ça, il faut aller ici, là. Non, pas que c'est les gemmes. Ce dude, là, l'artisan qui est là. C'est lui que tu vas parler. Et là, chaque fois, tu dis? Tu commences par faire tes combinaisons, là. Après ouais, combinaison, ça, tu pourras... c'est bon. Quand tu auras fait toutes les combinaisons, après ça, tu pourras aller dans le... te dire ça dans le enchassé et tu pourras choisir quelle pierre. Mais est-ce que tu as des équipements qui ont des places? Non, de toute façon, ça j'ai remarqué ça, il manque des matériaux. Ah ben t'as pas encore assez si tu veux. Oui. Ok. Ok. On a une 5e prime à faire. C'est le secteur du sud. Ah oh ben ça ressemble au même pont. Ouais. Nouveau trophée? Nice. Ouais. Qui veut mourir? Qui va remonter? Nice! Oh mon dieu!
Ouais, je peux mourir. Ah, fallait pas rester là en explosion. Ben, normalement, avec une augmentation de niveau, t'es supposé de survivre. Hein. Ouais, mais j'ai pas de chance. C'est pas bon. Hop. Le chaos, mesdames et messieurs. Le chaos, je vous dis. Oh, c'est là qu'on doit aller? Ouais, faut activer ces trucs-là après qu'ils aient fini leur vague. Ah, ok. Donc, il reste encore 3 là. 3 à faire, ok. Ah, c'est par là. Oh, il y en a deux même. Oh, à gauche ou à droite? À gauche. avec ça, c'est toujours à gauche de toute façon. Fait que... Non, parce qu'il y a de gauche et de droite. À gauche, ok. On va à gauche. Allez, meurs. Nice. Oh, salut Dragon, comment vas-tu? Dragon, salut à toi. Bonsoir, Dragon. Dantegu, non, c'est Dragon 77, je pense. Ouais, 77 BE. Ah, j'étais pas loin! Yeah! Pas pire, pas en tout. Pas pire. Ah, voilà le truc à la... Oh my god. Oh my freaking god. Hello. C'est qui a augmenté le niveau? Ouais. Ah, c'est un petit 35. Et mon dieu, tu grimpes là. Ouais, pas mal. Ce que Crystal me disait, c'est son chum, il m'a fait monter de niveau 70 en 30 minutes. Ah! Non, ouais, parce qu'il peut pas t'amener dans des feuilles trop hautes ou difficultés trop hautes tant que t'as pas le niveau qu'il faut. Donc, Ça, je me dis, c'est. Tu sais, quand elle voulait dire 30 minutes, elle voulait dire dans. Ça aurait pas pris du temps, là. Soirée, puis j'aurais été. Non, ça aurait pas pris du temps, non. That's it, mais pas 30 minutes. Non, ça dépend. Est-ce que je vous avoue que 30 minutes, c'est genre, vous êtes tous en place, hein? Dans le fond, c'est comme de. Quand on est au niveau trop vite, c'est. Ah, ben, t'as pas besoin de voir vraiment ton personnage, qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, là, tu prends le temps de voir évoluer vraiment. Per se, non, fait que c'est genre. Ouais. Il nous en reste un à faire. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est dans quelle direction est-ce qu'il se trouve? C'est qu'il y a des ennemis? Non, Skaos, est-ce que tu as vu quelque chose? Ben, pas un. Squat le haut. Ah, c'est hein? Parce que je regarde un peu, des fois, sont. Je fais tout le temps le tour pour voir. Ben, si vous voyez en bas, dites-moi lui. Ok, je check. Tant qu'il l'indique pas avec une flèche, je pourrais pas savoir où est-ce qu'il est. Ouais, c'est ça, moi aussi, il ne l'a pas encore indiqué, je l'ai pas encore vu. En tout cas, si tu le vois, tu le fais savoir, hein? Oui, c'est sûr. Je me demande, est-ce qu'il y a des fans de Diablo dans la foule, enfin, dans le groupe qui nous suit, là? Oh, il y en a un qui, c'est qui? Chef... Hey, salut, chef... Oups! Chef Oups! J'ai regardé, puis je m'en... Chef Mr. King, comment ça va? Chef Mr. King, quel nom. Nice.
Je n'avais jamais vu, il est venu quelques fois. Oh, désolé, ben, je me rappelle. Oh my god! Ben moi, c'était comme les premiers, ses premiers followers. Il y en a une couple que j'ai oublié. De ta chaîne? Ben, ma chaîne pis sa chaîne aussi. Ok, est-ce que quelqu'un a vu la flèche? Ça doit être de ce côté. Ah oui, la flèche est par là. Ah, oh, c'est en bas. Okay. Je suis direct devant la flèche, là. Attends, j'arrive. Comment ça va, Chef King? Il y a ma facu. Et voilà. Et voilà, crime remporté. Crime. Crime, c'est pas un crime. Crime remporté, ouais. Crime remporté. Prime remporté. Ok. Oh, on va y arriver. Ah, la fin de la semaine. Ah. T'as eu quoi? Ah non, j'ai juste ouvert ma bière. Ah, oh, ok. Oh, wow. Elle a tellement cher. Ouais, pas... c'est ça que Skaos disait, chef Mr. King. Mr. King dit, moi, ça fait longtemps que je te follow, depuis les débuts sur Fallout 4. Oh, ouais, wow. Effectivement, ouais, c'est le best. Moi, j'ai plutôt hâte de voir certains de mes anciens viewers, que ça fait un esti bout que j'ai pas vu. Ah, ouais. Ah, ça va très bien. On est vendredi. On relaxe. Il y a Mr. King qui demande comment ça va. Ah, ça va bien. Oh, on est content d'être en Twitch. On est content de s'amuser à Diablo. On est content de t'avoir parmi nous. Ouais, effectivement. Bon, ça c'est quoi? Niveau quoi, les trucs, là? Je voyais plus tout, là. Niveau 12, ok. Ok, il manque d'argent. Okay, c'est beau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas équipé ça? Ok, faut que je sois au niveau 70 ou... Ah non, ok, j'étais pas juste dans la bonne section. Ouais, un marteau. Tiens, en bleu 1. Il en manque un autre. Oh, j'ai eu un coffre, un grand coffre Oradric. Yeah. Je pense toujours à coffre d'Edra quand je vois ce coffre-là. Au lieu de dire coffre Oradric, j'ai toujours tendance à vouloir dire coffre d'Edric. Comme dans Skyrim. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant du Fallout. Mais en fait, mercredi, on a fait du Fallout 76. Si tu parles de Fallout 4, oh boy. Je ne sais vraiment pas pour te dire. Franchement, là, je ne sais pas pour Fallout 4. Mais si tu parles de... Fallout 76, tous les mercredis, je fais du Fallout 76 en live avec justement les charmantes personnes que tu entends avec moi. Bonjour! Donc, Skaos est en vitesse. Sauf moi, une semaine sur deux, je suis à autre chose. Fait que quand moi j'arrive pour faire les. Fallout 76, c'est vers le soir. Parce que oui, les Twitch avec Maman Rose durent quand même très longtemps. Mais surtout en général, ceux qui sont, quand on est à plusieurs, on dirait que on décolle pas. Le temps passe plus vite, première des le choses. Le temps passe vite, ouais, c'est ça. Quand on dit un temps de qualité, n'est-ce pas? Fait que... Ouais, c'est ça. Donc le Fallout 76, c'est ça, c'est mercredi. Donc tu peux noter ça à ton agenda, le mercredi soir à partir de 20h, c'est du Fallout 76. Étouffe-toi okay, pas, le grand! Non, mais pas. Hein. Attends, ouais, mais je peux le construire au pire, même si je suis pas niveau 70. Fabriquer une arme ou une pièce d'armure de niveau 70. Une armure? Pièce d'armure. Qu'est-ce que je peux... À faire comme du moment, j'ai le goût de jouer à... Castlevania Symphony of the Night. Ah ouais? Comment ça? Ouais. Parce que c'est un jeu que j'adore jouer. Que je me tendrais jamais de jouer, même si ça fait depuis que j'ai 17 ans.
Donc ça fait au-dessus de 20 ans que je joue à ce jeu-là, puis que je me lave pas d'y jouer. Ah. Puis faut dire que c'est le fait qu'on voit les gens de... c'est nous qu'on joue qui joue, puis ça me donne le goût. Ah, ok. Une affaire aussi random que ça. Mais j'aimerais bien te voir jouer à Fallout New Vegas, je sais pas, il a sur PS4, sur Xbox One, il a pas sur PS4, mais il a sur Xbox One. Ben en fait, tu sais quoi, j'ai Fallout New Vegas sur Steam. Tout ce qui me manque, c'est de pouvoir le streamer à partir d'un PC. Donc, Mais toi, tu y travailles. Ça va venir, j'y travaille. Ah, j'avais pensé à un certain moment à peut-être un PlayStation Now, parce que je pense que Fallout 3 est sur PlayStation Now, mais il faudrait que je sois sûr que je puisse le télécharger pour le faire le live, parce que sinon, il n'y a pas grand intérêt, en tout cas, de mon côté. Écoute, chef Mr. King, il y a tellement de jeux que je dois faire que je pense que j'ai des lives pour encore une dizaine d'années, tellement j'ai des jeux. Bordel, qu'est-ce que tu fais, manette? Bon. Donc, oui, effectivement. Moi, l'idéal, ce serait que je fasse tous les Fallout. Mais j'ai essayé le 1 et le 2. Je pense que je commence à me dire peut-être que non. Mais je les ai tous. J'ai 1, le 2, le Brotherhood of Steel. J'ai. Ou les Fallout 3D, peut-être. Hein? Trop d'ambition. Oh my god. Donc. Écoute, Fallout 4 existe en VR, non? Fallout 4 existe en VR, oui. Au Sharkathon, t'as des gens qui ont fait... Ouais, tu l'avais fait en VR. Ouais. Autant je ferais pas Skyrim en VR, autant non, je ferais Non, ça a l'air qu'il était chié en VR. On n'a ouais, jamais dit dommage. Qu'il était de qualité, on a ouais. juste dit qu'il existe. Ouais. Oh, mais qu'il devrait pas exister. Rush, comme d'hab. Perso, je te dis encore que le VR, c'est ça te procure pas la même expérience vraiment que jouer comme on fait là avec une manette puis que tu vois un écran de télévision. Quoi? Là vous êtes où vous autres là? Moi j'ai juste changé de ville. Sur notre bannière et puis fais suivre. Ouais. En fait moi je vais aller dans l'acte 2. On va aller au... Ça me tente d'aller tuer un boss. On va aller tuer Vidian. On va aller tuer Vidian. Ah ouais? On va faire ça? Yes, sir! Bon, ben, allons tuer Lydiane! C'est pas Lydiane, c'est Vidiane. T'as refait au même. Elle va mourir par... de toute façon. Il va mourir de la même façon. Moi, ça me fait chier que j'avais. Quelqu'un qui a déjà écouté ce que les gens racontent. C'est... Oui. Ah, moi, j'écoute jamais ce qu'ils racontent. Ah, d'un livre. Ben, c'est de l'art, pis c'est intéressant, tu sais. Le problème, c'est que souvent, il dit ça avec une voix tellement monotone. Que le temps qu'il arrive à sa quatrième phrase, je me rappelle plus ce qu'il avait dit dans la première. Je t'avoue qu'en anglais, il y a plus d'émotions, c'est... Ben c'est ça que t'avais reproché à Lara Croft que t'avais joué. Quand elle disait de quoi, c'était oui. toujours sur le même ton. Lara Croft, ouais, c'était sur le même ton. Bon, en français, j'ai remarqué ça aussi, c'est... j'ai pas voulu le dire trop, mais ouais. Écoute, s'ils ont besoin de quelqu'un pour le doublage, là, Je suis disponible. T'es disponible, je connais du monde, de toute façon, quand ça va se faire, on va bientôt rentrer en production pour mon truc. Maintenant que mon ordi est de retour en service. Parce que franchement, leur doublage est nul. Oups. Oh my god, j'avais lu Omar. Je pensais que c'était un Omar.
Je pense que le niveau expert commence à être trop facile pour nous. Mais, bon, ouais, mais pour ma part, je peux pas aller plus haut que le niveau expert. Ben, à partir du niveau où tu es, je pense que oui, mais on peut continuer comme ça. On doit un coffre bonus, soit-il. C'est où je suis. Oh, mais là, il faut nous dire avant d'activer. Ben là, on suivait, c'est tout. Ben oui, je vais pour toi, c'est nous, on aime ça explorer, Scar. Oui, je sais, mais je sais où aller, et puis je sais qu'il n'y a pas grand chose dans certaines pièces. Tu sais que. Bon, voilà, j'arrive, on va faire ça. Comment je vais faire ça en 12 secondes? C'est juste des coquerelles, ça fait que c'est pas si pire que ça. Ouais, il faut en tuer 100 avant la fin. Le temps est parti. 88. Oh merde, on n'a pas eu. Si nous avions entendu, on l'aurait eu. Ouais. C'est la faute à Skaos. Ouais. Il a activé le corps sans nous. Oh ah shit. Ouais. C'est tellement bien ça. On a eu un team de 100 ennemis de cette équipe. Bon. Ah ouais, on peut pas tout avoir d'envie, hein. Non, c'est correct. Bon. Comment tu l'as terrassé? Ce que j'ai fait, c'est foncer dedans, puis c'est comme si tu l'avais coupé en deux. Le passage est en bas maintenant? On est en haut là, on voit ça. Ben, comme tu dis, on explore. Ah, ok. Oh, salut! Allô! Salut les tsunamis! Salut les tsunamis, est-ce que vous voulez mon tsunami? Le massacre de Oh! Alors, si vous avez des problèmes de bestioles, n'appelez plus vos accélérateurs. Faites appel à l'agence de Mamanjou. Le nécromancer de Mamanjou va prendre soin de toutes vos bestioles. Pour la modique somme de prix à négocier. Nettoyage à vos frais. Le sang n'est pas compris. Et non négociable. Surtout non négociable. Oh wow. Parlant de sang. Oh, il y a quelqu'un qui a augmenté le niveau là. C'est moi avec 69. Moi, wow. C'est pas tout de suite encore mon 66. Ben, t'es 52 en jour, pis t'es 65. Ouais. Quand même. J'ai mon 70. T'as vu ton 70? Peut-être que tu l'auras, on sait pas. Ah, c'est ta foi, hein. C'est ta foi, Cass, on te souhaite. Oh, ah, ben, mon dieu! Wow! Ah, si, c'est que ton dash, il détruit tout! Un pied dans la tombe! Oh my god! Ça c'était du beau massacre! Yash! Oh! Et on fait du massacre.
Oui, après, on mettait 30 victimes, puis oh! Quoi? C'est parce qu'il y a comme eu des ennemis qui sont apparus, puis sont maintenant sont morts! Oh, tu es encore derrière? Ouais, mais j'ai eu d'autres ennemis, je suis point non. Ah! J'avoue. Allô les amis, j'arrive! Qui veut mourir? J'arrive! Mourez, bande d'infidèles! Niveau 40. C'est-tu là qu'on doit aller? Mm-hmm. Niveau 2, c'est parce que ça flash pas. Ok, oui, niveau 2. Non, c'est parce qu'il faut aller monter dans son domaine. Ah, ok. T'sais, monsieur doit avoir. Ces règles pour ouvrir ses portes là. Ah ouais? Oh mon dieu! Le massacre, oui. Massacre à la tronçonneuse. Putain de bon film. C'est pas fait pour tout le monde, remarque, là, mais c'est... moi, j'ai bien aimé comme ça. On ouvre la porte. Encore, je te dis ça, Scar, puis est-ce que t'as déjà vu l'original? Trop loin dans mes souvenirs. C'est toi, Vitiane. Oh, ta gueule. Tiens, mange les cadavres. Il n'a rien compris de ce qui est venu arriver. Non, et voilà. Il n'a rien compris. Non, le gars là, non. Le gars là, non, mais ça. Ah merde, je suis rempli. Mon fils. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a? Pour un diamant, là, je pense que je peux m'en prendre. Ouais, il faut pas oublier de vider vos pierres parce que ça prend du stock normal aussi. Non, c'est ça. Ok, on sort d'ici. Ah, des nouveaux gains. Et voilà. Bon. Ah, c'est la marchande, mais avant, voyons qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire. On va peut-être tomber. Hein? Oui? Quoi? Non, je demandais qu'est-ce qu'on avait dans notre inventaire. Ben oui, regarde ton inventaire. Il a dit des gros totons. Non, j'ai dit ton inventaire. Qui a dit gros totons? C'est elle qui a imaginé ça, c'est pas moi. Vraiment, pendant que qu'on a la tête à ce cas, s'il vous plaît, veuillez me confirmer s'il est rougi ou pas. Non. Non. Hey, la face blanche, là. Il est plus genre, qu'est-ce qu'il raconte encore, celle-là? Ah, c'est tout un show, hein, fait que, voilà. Oh, bon. Non, c'est ça que je veux, merci. Bon. Voilà, j'ai vendu les surplus. La moissonneuse du sage. Mais non, je ne prendrai pas ça parce que nous, il n'y a pas grand chose. Oh, il y a plein de plans. Il y a des plans aussi dans Diablo 3. Hein. Des plans? Des plans que tu dois apprendre un peu comme Fallout. Okay. Quand tu vas dans la petite bourse et que tu vas dans la section verte, il y a des plans. Mm-hmm. Donc, il faut que tu les apprennes parce qu'ils prennent de la place dans ton inventaire. Je comprends. Ça c'est. Truc de résistance. Voyons voir. Oh, je vous ai pas montré mes ailes. Non. Regardez mes magnifiques ailes. Ah oui, ces ailes-là. Oh, elles sont belles. Parce que toi, il fit avec ton personnage parce que t'es un nécromancien. En fait, dans ton cas, une nécromancienne. Ben, mon personnage, c'est un. Un, parce qu'un nécromancien, désolé.
Sinon, je suis niveau. Bon, j'suis apparemment, je suis pas conseillé de laisser le niveau pour augmenter mes choses. T'es niveau 40. Ouais, puis ça, il faut 41 pour aller plus loin. Il est où le. Ah, ok, il est là, le forgeron. C'est le vendeur que je cherche maintenant. Vendeur! Où es-tu? What the fuck is that? Ok. C'est bizarre. La salade de carottes. La salade de carottes! Ça c'était dans un show d'humour, un gars qui disait que le gars qui fait les annonces au cinéma, tu te rappelles quand il faisait les annonces au cinéma à la radio? Il dit, il est tout calme, bien tranquille, et puis à un certain moment, il s'excite dès qu'il dit le titre de film. Alors, des combats épiques dans l'espace avec, c'est la guerre des étoiles! Il a dit, c'est comme si t'arrivais chez quelqu'un, elle était vide, elle te fait visiter la maison, elle te dit voici la chambre, voici la salle à manger, et maintenant nous allons passer au repas avec la salade de carottes! Tellement vrai! Oh là là! C'est Gad Elmaleh, il est tellement drôle. La salade de carottes! Oh, j'ai pas tellement de pierres. Hein. T'as quoi avec mes bras. Avec mes gantelets, c'est comme si j'avais quasiment trempé mes bras dans le sang avec la couleur cuivre qui. Ok, on peut en faire un autre? Oh, pas long, je jambe des trucs. Et, Il fait vraiment comme un fils Roda. Ok, je vais aller vers le plateau plaintif là. Et puis vous viendrez me retrouver. Mais j'aimerais bien te. Ok, ça c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On va pas s'éloigner trop là. On va attendre un peu. Anti-tarde pas trop. Anti-tarde. Non, effectivement. Non, pas long. J'en fais rien. Une guêpe de sable. Je comprends pas pourquoi des fois ma manette fait des roulades à perpétuité. Broderick. Ok, j'arrive. Ok, bon, ben voilà. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! C'était un massacre, monsieur. Évidemment, Billy! Attention. Ok, merci. Tu rasques, Ray. Meurs, meurs, tu rasques. Oups, image, oui. Bon. Ouais. Ah, il a mis ses ailes aussi. Non, je peux en mettre d'autres. T'as bon, elles sont grandes sur celui-là. Oh my god.
Ok, c'est par là. Attention des moustiques. Ok, j'ai trouvé l'entrée de la grotte machin qu'on doit aller. Tranquille. Calmez-vous les petites chuchotes. Enfin, on peut y aller. Oh, Skaos, toi tu l'as pris comment la nouvelle de du retard de Ben, il remet à ceux qui ont fait les primes. Donc, c'est déjà bien. Ils vont recommencer à mais zéro. Mais pourtant, ceux qui avaient fait le... Ceux qui nous avaient mis en charge, c'était pas des demi-cons, c'était quand même Namco. Non, c'était pas Activision. Ils ont beaucoup trop de... Comment? C'était pas Activision? Ou je me trompe avec un... Non, je pense que je me trompe avec un autre jeu. C'est très 34, c'est Namco Bandai, mais Namco Bandai, ils ont tellement de projets à faire que même Namco Bandai, à un moment donné, ils sont capables de fournir. Ils font souvent un nouveau tel, là, puis ils sont après faire le Delphi Cold Vein, ils sont après faire sûrement un autre jeu de Dragon Ball, fight, un jeu de combat Dragon Ball Naruto. Encore? Ça doit être sûrement Boruto ou quelque chose, on a... Ah oui, genre. Mais ils sont pas fatigués de faire des jeux de Naruto. Ben écoute, c'est ça ta qu'est-ce que tu dis? Tant que la série est pas finie, ils vont continuer. Ben oui. Il y a trop de jeux là. Bon, ça va. Mais ça, en même temps, Namco Bandai, en tant que développeur, moi, j'ai juste qualité, fait que... Mais tu sais, ça prouve que même eux, à un moment donné, ils peuvent être fatigués. Non, mais quand t'es rendu que Nintendo est en train de dire que... ça remplit pas la qualité qu'ils veulent... Ouais, ils étaient débordés. C'est de la merde. Ils veulent pas non plus un fiasco comme Other M, même si en réalité, Real Talk, c'est Nintendo qui l'a cherché plus que... Ouais, mais ça a l'air que le concepteur de Metroid, il a une autre vision de Samus. Ah non, c'est un imbécile, ce gars-là, là. C'est un imbécile d'enfant gâté pourri, là. Qui ça? Yoshio Sakamoto. Sakamoto? Ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? J'ai pas peur. Non, c'est juste Sakamoto, mais ça aurait pu être sec à autre chose, là. Lave tes oreilles. Là, vous êtes parti où, là? On est sorti? C'est la quête infinie. Ville. Ah, ok. J'ai pas compris ça, pas en tout, que j'ai pas vu de confirmation de la quête. Ouais, il y avait une confirmation de crime. Ok, j'ai juste pas vu. Parce qu'on parlait de Sakamoto. C'est quoi qui est drôle? Je sais pas, c'est juste drôle. Il s'appelle Sakamoto. Ah, mais chaque fois qu'il dit, tu pars arrêter. C'est parce que c'est drôle. Sakamoto. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Sakamoto? Je sais pas, c'est comme si c'était Sakabisi, quelque chose de genre. Tu imagines quelqu'un qui s'appelle Sakabisi, voyons donc. Okay. Alors, qui est un des membres des. Un des membres de Nintendo, mais qui également est un artiste caché, qui a transformé Samus Aran de femme forte à femme plutôt soumise, de fucking misogyne. Sakamoto! Bon. Il était supposé que ça sortait dans le jeu. Cette année, mais c'est pas... Bien faux. Fin de cette année, mais personne n'était sûr, vraiment. Ben là, ça va être reporté d'ici 4 ans ou 3 ans. Facilement, là.
Ben, faut qu'il fasse le jeu. Hein. Écoute, okay, mais un maître. Écoute, ils ont même. Dans le temps de la GameCube, ils ont pris 18 mois les employés travaillaient 100 heures semaine en moyenne pour finir le jeu à temps. Ça, c'est fini. Ça, c'est Metroid Prime 1, là. Wow, ok. Ouais, j'avoue. Bon. Prochaine quête. Vent Cinglon? Chaque fois, je pense qu'il va dire pour Skoda. Ah! Bah, ils ont quelques ressemblances, il vient du nord puis tout. Bon. On se calme le pompon, espèce de bestiole. Bélial. Bien. 54, nice. Comment ça me rattraper? C'est pas bon. DG. 166 Chaos. Chaos 66. Hey, bouge. Ah, c'est fun quand je plaque dans le vide. Attention. Ah, j'ai eu un truc. T'as eu un truc. Protect bras de 16 cherons. What the hell, j'ai l'impression qu'on a... On n'a pas tourné au bon endroit. Ouais, je sais pas, des fois, ça doit être en haut. On va aller là, en fait. Non, en haut. En haut, ouais. Ouais, des fois, quand il indique, ouais, il est tout à droite, ouais, c'est l'entrée d'en haut. Toi, c'est un peu chien, ce genre de quête-là, parce que tu crois que quand tu descends, tu vas l'avoir, mais en fin de compte, non, l'entrée est en haut. Nope, exact. Sasuke. Manaruto. Sasuke-san! Non. Quoi? Pourquoi tu as dit non? D'accord, quand j'ai vu un fanboy de Sasuke. Sasuke, moi j'aime bien Sasuke, c'est... je préférais Sasuke à Naruto. Ouais, mais il a failli jamais exister. Honnêtement, Naruto, son problème, c'est un autre personnage comme Goku, là, ou Ex Machina, just for the shit of it. En plus, c'est un nom d'une nourriture, en plus. quoi, Goku? Non, Naruto. Naruto, ben... Ça vient de... Ça se fait avoir le gag que c'est quoi le nom de l'utilisme, vous appelez tout le personnage adore manger. Comme la plupart. T'as le fille, Goku, Naruto. Mais au niveau où il s'entraîne, écoute, c'est normal qu'il mange beaucoup. Non, mais quand t'es rendu qu'il faut qu'il mange une vingtaine ou une centaine de trucs, là. C'est plus manger, là. C'est plutôt vider le garde-manger du truc juste pour dire j'ai mangé. Ben, c'est ça le gars. Un golem. Je vais mourir. Ah,
je pense que j'ai trouvé l'entrée, les amis. Oui. Ah, mais rejoins-moi parce qu'il y a un. Un gobelin. Attends. L'active pas encore, j'arrive. Ben, je peux pas vraiment l'activer. C'est plutôt, il faut que je le garde en, le plus longtemps sur notre terre parce que monsieur se dédouble. Ok, c'est bon. Ah, tu parles du gobelin, ok. Oui, ah, gobelin. Là, t'es où, là? En bas, là. Ok, shit. J'ai vu une flèche vers le haut, mais non, c'est autre chose, pas vraiment. Ah, c'est qui ça, quand que. Non, tu t'en iras pas, fils de pute. C'est quoi mon temps? C'est carrément mon temps. Il est ici, ça. Recharge. Arrêtez de courir avec le bout. Là, c'est normal, il s'est supposé de faire. S'enfuir parce que. Ah, fuck! Non, ils peuvent toujours s'enfuir. Ouais, mais je sais pas qu'ils viennent à l'entrée, tu sais. Faut juste le taper. Faut le taper assez pour qu'il. Ah, je crois que c'est un événement de nécro. Mmh. Non, attends. Ah, l'événement qu'on doit faire, c'est un événement du nécro. Ah, ok. Comment c'est mourant? Là, il y aura un petit big boss, comme d'habitude. Mm-hmm. Tu es libre. Ouais, plus pour longtemps, mon cher. Et voilà. Et voilà, la prime est terminée. Ça, je sais pas si elle est vraiment terminée, d'où? Ouais, terminée? Oui. Yes, sir. Oh my god! Il y a un autre endroit où tu actives trois piliers, mais celui-ci c'est deux. Ouais. Pas si mal. Pas si mal en effet. No stress. Hey, tout ce que j'ai ramassé est moins fort que moi. Ben, c'est pour ça que je le vais. Ben oui. Ben, c'est ce que je vais faire là. Boum boum boum. Let everybody say hey oh. Hey oh. What's it? Boum boum. Ça, c'est quoi ça? Arme puissante de sang, on va dire, mais de Sanji. Bon. Vendu. Est-ce que je peux augmenter le niveau du forgeron? Non. On va faire un peu de fun avec mon trucs. Oh si, je peux apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Crâne de chien, glopier. Really? Really? Ça met ça bien de l'air. C'était niveau 9. Je vais aller au Canada. Attends, laisse-moi regarder qu'est-ce qu'il y a au niveau 3. C'est quoi dans les périples? C'est qui qu'on doit tuer? Je dois aller tuer Gaum, mais Gaum il est où? Mais t'as Goma. Qui est où? À Goma. C'est où Goma? Dans quel monde? Dans quel acte? Ah, Gaum, il se trouve à l'acte 3. À l'acte 3, hein?
On n'est pas encore rendu là, donc on a le temps. Ah, ok. Ah, oh, on fait l'acte au complet, c'est bon. Ok, canalisation anti. Ben oui, ça va lui donner en même temps ces trucs quand il finit une prime d'une quête au complet. Ça va lui donner un truc, donc tu sais bien de le faire. Mmh. Là, c'est celui de droite. Je peux en faire un cadavre. Je peux lui foncer dans sa face. Ah ben, ça doit être cette sorcière qui a attaqué le Québec. Tu sais qu'on était sur la glace comme ça. Ah ouais. Sûrement. Pas de transfus. Pour une fois que j'ai pris le bon chemin, oh my god, pour une fois que j'ai été inspiré et que j'ai pris le bon chemin. Oh. Et en bas là. Oh my god, le voilà. La Groule. Groule. Je s'appelle Groule, il m'a gelé. Je s'appelle Groule. Il s'appelle Grelou. Ouais, les cadavres. Tiens. Yes! Quête terminée. Il est mort. Ah, c'est prime. Je s'appelle Groule. Je t'appelle Groule, moi j'imagine. De la rage de la fureur. Ouais. La fureur! Non, justement, il était pas supposé de faire un spécial, non? Ils l'ont fait déjà. Tant mieux. Je l'ai raté. T'as pas manqué grand chose, je pense. Ils ont toujours fait leur mouvement. Et le truc de venir. Penses-tu vraiment que je perds mon temps à écouter ça? Ouais. Qu'est-ce que tu t'amuses à écouter? L'émission La Fureur. C'est quoi ça? C'est une émission qui n'aurait aucun en équipe. Les gars contre les filles. Ok. C'est style, tu dois chanter une chanson, puis monnaie la chanson arrête. Fait que toi, tu dois continuer de chanter. Tu dois continuer de chanter. Et en espérant que tu es au bon cue quand on revient à la chanson. Ah, d'accord. Ouais. N'importe qui est dans une chorale, il va gagner. Mais évidemment, on va plus attirer des artistes de chelou. Qui savent pas chanter. Qui savent pas chanter. La plupart ne savent pas chanter en fait. N'importe quoi pour 15 minutes de gloire à la télé. Ah ben, ouais, mais attention là, c'est des artistes connus. Il aurait pas mis des. Il aurait pas mis monsieur, madame, tout le monde là-dedans. Voyons là, monsieur, madame, tout le monde, tu gardes ça pour la poule aux œufs d'or ou le banquier. Non, comment ça s'appelle cette émission là? The Bachelor. Love. What? Wow, ça c'était épique. Vous avez pas vu ça là? Personne. Love Story? Je baillais et je riais en même temps. Moi je pense que là où on avait vraiment touché le bas fond, c'est quand ouais. On avait mis quelque XOXO. Chose ému. Non, et j'ai aucune idée c'est quoi XOXO. Mais l'affaire nu, où ils étaient tout nus là. Oh mon dieu, c'est. Ouf. Ça dit long sur l'émission. Célibataire et nu, c'est ça. Comme ça, ça fait. Quand t'es rendu que la fille touche le paquet du gars, oui. Eww.
C'est quoi, XOXO, qu'est-ce que ça a de particulier? C'est un peu la même chose de ce que je viens de décrire. Que vous venez de décrire, là, dans le fond, c'est une histoire de d'hommes et de femmes qui se rencontrent. Qui boivent, qui fait n'importe quoi. Hein. Wow, oui, carrément. Là, c'est plutôt un love story, mais avec du cash. Enfin. Ben alors, comme si tu donnes du cash à dépenser, c'est ça? Non, ça n'a pas rapport avec ce que j'ai pensé. Par contre, c'est assez abusif, hein, tu sais. Hey, Maxonel, les jeux vidéo, c'est dangereux, mais la télé-réalité, c'est bien. Oh mon dieu, ouais, en effet. Ils en avaient pas mal. Ils en ont pas mal aussi des bizarres en France. Je pense que c'est en France qu'ils avaient commencé l'affaire de l'amour est dans le pré, là. J'osais pas te dire, en fait. Ouais, installe toi tout le monde. Mais ils avaient fait une affaire, ils avaient essayé de faire comme une sorte de recherche pour voir ce genre de télé-réalité pour bâtir les couples, etc. Après 2-3 ans, combien qui étaient encore ensemble? Aucun, mais non. Aucun, donc c'est vraiment n'importe quoi. Je pense à un moment donné, ça a fait polémique quand le couple qui avait gagné dans je sais pas quoi, ils ont juste fait ça pour de la cash. Oui. Mathilde dit qu'il ne sait pas, il a plus de télé depuis 10 ans au moins. Ah ben, moi je ne regarde pas la télé depuis un bon bout non plus. Oh, c'est rare, ça, que... il y a Netflix, il y a YouTube, il y a les jeux vidéo, il y a les sorties de toute manière. Fait. Who needs cable TV at that point? À preuve, on diffuse des émissions live, d'un show télévisé, mais c'est Chaos, toi et moi qui jouons à Diablo 3. Mais je me rappelle, maintenant je te dirais moins, mais à un certain moment, là, tu sais, tu allais faire des cours, et puis les gens sont en train de discuter, ils sont en train de parler de quelqu'un, là, et puis tu as l'impression qu'ils parlent de la personne comme s'ils la connaissaient, que c'était leur ami et tout. Et puis c'est quand je dis, ok, c'est quoi, de quoi qu'on parle là? Parce que il me semble que tout le monde connaît cette personne. Et puis ils disent, ah, oh, tel personnage de telle télé-réalité. Ah, ok. Écoute, là, ça animait les discussions dans les cafétérias, etc. Mon dieu. Mais tu sais, oui. Très honnête, oui, c'était. Il y a une certaine curiosité à en tirer, mais c'est une curiosité morbide, là. Vous n'êtes pas me dire le contraire. Bon, Mathisalem, je pense que c'est pire. Il a dit que quand il voit ce que ses parents regardent, lui, il casse la télé s'il est avec eux. Mon dieu, oh c'est. Là mes sympathies m'attirent, hein? Mais, ouais, tout à fait, mes sympathies. Mais je te comprends. Si tu dis ça, ça doit être parce que c'est. T'as vraiment une raison aussi. Oh, c'est loin. Ouais. Et en bas, ouais. Non, j'ai pas dit ça en bas, j'ai dit c'est loin. On doit... En fait, on doit tuer juste 150 ennemis, c'est tout. Ah ben ouais, okay, parce qu'on a tué le gars déjà, c'est pour ça. Ah, ok, il y a les ennemis par là. Wow. Ouais, les plus rapides, c'est quand t'as un seul groupe qui pop. Ah ouais. On a fini. Alors, merci pour le niveau 44. Hein? T'es déjà niveau 44? Wow! Ben oui.
t'es niveau 55, Sia, t'es quand même niveau 67. Fait que Chaos, tu vas peut-être l'avoir ton 70 ce soir, finalement. Ah, mais t'as tout attendu ça, bientôt. Niveau 70! Je suis en train d'installer tout bien sur mon PC gamer que je viens de recevoir. Nice! C'est quoi comme PC? Parle-nous des specs! C'est quoi les specs? Montre-moi tes pecs! Excuse-moi, ça. Tu vois, donc c'est bien possible qu'il ait parlé de gros totons tantôt. Il parle de pecs. C'est toi qui imaginais ça. Oh là là. Et c'est, il va pouvoir faire rejouer à des jeux. Quel jeu tu vas rejouer? Tant que tu joues pas à Minecraft sur un ordinateur de gamer, là. Tu l'as pas acheté juste pour qu'est-ce ça. Que t'as contre Minecraft? Un i7 à 7 ans avec une 1060 6GB, un Lenovo Y530. Oh, nice! Ah, quand même! C'est pas... pas rien. C'est sincèrement, ce n'est pas rien. Tu vois, le PC d'Alex, lui, c'est un i7 aussi. Et puis, c'est... mais lui, c'est une 1050 et Ti qu'il a. Donc, sa carte graphique, elle a 4GB et tu vois, il roule tout à ultra, là. Donc, mon vieux, t'as une belle bête. Ok, bon, là, j'ai rien. Il l'a payé combien? Ben là, j'ai profité des soldes. Ben, c'est un peu ça. Il y a des trucs... ouais, il y en a qui l'ont reçu contre le Noël. Il y en a qui l'a acheté avec son argent qu'il avait économisé. Il y en a, on a profité des soldes. Donc, chaque morceau, c'est quelque chose. En euros, 1199. Tu vois, c'est à peu près dans les prix, je te dirais. Parce que ça veut dire que ce serait quelque chose comme 1600 à peu près ici. Combien d'euros qu'il y a dit? 1199. C'est toujours plus cher. Plus cher. Et au Québec, c'était plus vers les. Enfin, 1$. Mais pour te dire, juste là, le processeur i7, il était à 500. Ouais, ça c'était quelque chose. Mais là, ça va bien cette affaire aussi, là, à Nostou. Ah non, lui, il est correct. Là. Ouais, oui, il est correct pour un méchant. La génération d'essence augmente tant que vous êtes indemne. Il ne génère plus d'essence. Ok, non, je vais garder ça. Ouais, ça devient un classique, ouais, un SSD d'une certaine gig, puis un à 2 Tera ou plus pour le reste. Moi, je trouve ça pas quand ils mettent le Windows sur le SSD. Le SSD, il va durer moins longtemps que l'autre. Mais significativement moins longtemps, selon toi, ou... Ben, toujours entendu dire que les SSD durent moins longtemps que les disques durs normaux. Essayer ça. Parfait. Prochaine quête. Il y a 1 Tera et 256 Go SSD. Ton premier SSD du coup. Ah ok, cool. Où est-ce que t'as été, Skaos? Ben, troisième acte. Ah, c'est vrai, on a fini le deuxième acte. Tu es direct ton gnome parce qu'il est pas dans les primes. Ouais, on va faire Gaume. Parce que il est dans les trucs qu'on doit faire là. Il est dans le périple, donc on va aller chercher Gaume. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fatigué. Je ne peux pas.
Le bombardage me dit, t'as un pied dans la tombe. Ah ouais, c'est ce que tu dis, toi? Qu'elle dit, ouais. Moi, je peux en faire un cadavre. Non, je pense plutôt à un cadavre. Parfait. Un aversé à ma mesure. Oh, bordel. Bon, enfin! Oh my god! Un deuxième trophée, merci beaucoup! J'ai commencé Kingdom... Kingdom Come, il me tentait trop, puis là... je remets mon compte Steam. Nice! Kingdom Come, peut-être le seul pseudo-overfall qu'on peut y faire, c'est qu'il était lent, mais that's it. Ben, il est très réel, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça l'affaire. Donc... Fait que je pense pas qu'en tant que tel, ça soit un vrai problème. Mais non, au contraire, il est très bon. Je dirais qu'il est forcé pour mes mardiers et roleplay, là. Ben oui, oui, oui. C'est juste que je dois prendre le temps de comprendre la mécanique, parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Non, c'est ça. Les gens, ils ont vraiment pensé leur affaire. Vraiment, c'est où le chemin? Ok, c'est là-bas. Excusez-moi, parce que je me suis frotté les yeux. Quoi? Je vais m'excuser, j'étais en arrière, puis je me suis frotté les yeux. T'es fatigué? Pas particulièrement, c'est juste que... Ben un peu, c'est sûr. Mais danger des frottes les yeux, c'est bon. Avec la machine que tu as, Mathusalem, tu vas faire des lives, hein? Non, il pourra pas faire des lives avec... à Ultra. Non, ben, peut-être pas en Ultra, mais je peux faire des lives. Parce que le live, c'est plus ce processeur. Ouais, mais je pense qu'il... Je pense que j'en ai vu certains qui prennent genre un ordinateur pour le jouer, puis un ordinateur pour streamer. Bon. C'est quasiment rendu ça la norme. Quand j'avais dit ça, personne ne voulait me croire. Quand t'avais quoi? J'avais dit qu'on pouvait utiliser un ordinateur qui traitait le jeu et puis un autre qui traitait le stream comme si c'était une console. Oui, moi tu m'en avais parlé puis je t'avais dit oui, effectivement, ça se fait, mais on avait discuté qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas à ça. Mm-hmm. Ah, c'est le nécro acquis. T'as un sentitin qui m'a envoyé un nécro. Pas un nécro, mais un Nemesis. C'est le mot qui est sorti. Il a l'air d'être violent, ton fléau. Bon, attends. Oups. Parce que j'ai un laser qui fait chier, là. Ouais. Non, mais j'ai préféré jouer avec des streamers que de faire des lives. Ça m'intéresse pas de... Ah, d'accord, ok. Bon, c'est correct. Est-ce que tu vas apprendre Fallout 76? Ah, mais là, si c'est sur ordinateur, il pourra pas jouer avec d'autres. Non, mais... Pas tout fait, en tout cas. Il y a toujours Master qui joue sur PC. Ouais. Je ne sais pas si... j'ai pas remarqué si Shark faisait des lives ces jours-ci. Non, pas spécialement, je pense. Il se prépare pour le prochain Sharkathon. Hein. Ouais, parce que là, il y a comme... Il y a comme quoi? Non, parce qu'il y a comme 2-3 ou Sharkathon qui vont en venir. Okay. Ouais, il y a beaucoup de jobs à faire. Oh. Ah ouais, il y en a plusieurs en même temps? Oui, parce que le dernier live qu'il avait fait, il y a eu beaucoup de dons. Puis ça a engendré assez de fonds pour d'autres Sharkathons. Ah okay, d'accord, ouais. Okay. Ouais, mais là, ça, je vois, parce que le Sharkathon qu'il va avoir là maintenant, comme dit Mathusalem, là, il est occupé, donc c'est Vabomir qui va s'en occuper. Ah, cool! Ouais, c'est Vabomir qui est en charge du prochain.
Mais du coup, ça veut dire aussi que... Pourquoi c'est bloqué, va être pas mal... aussi, il va être occupé. Ça veut dire que ben, le charcaton devient gros. Eww! That dégueu! Il pète sa tripe! Il pète sa tripe! Est-ce que ça a fait compléter le périple? Ben, il me semble que j'ai vu la confirmation, moi, pour ma part, ouais. Attends, laisse voir. Ouais, oui, tu es gomme, c'est fait. Il me reste deux à faire dans celui-ci. C'est atteindre le niveau 10 avec le forgeron, que j'ai presque atteint. Et puis, terminer une faille de Nephalem. Ok, là, le forgeron commence à me faire chier parce qu'à chaque fois que je veux, à chaque fois que je veux monter quelque chose, il... que je monte de niveau, ça, l'accès aussi, il monte de niveau. Non, mais tu dois descendre jusqu'en bas dans la liste. Il y a une longue liste. J'étais jusqu'en bas. De quoi tu parles, là? Du forgeron? Forgeron, ouais. Dans apprendre? Ouais. Tantôt, il fallait que j'aille niveau 42. Avant le donjon qu'on vient de faire, il fallait que j'aille niveau 42 pour augmenter les trucs. Là, ça, c'est niveau 46 le minimum. Ok, ça arrive. Hein. Moi, je vais pas vendre, je vais regarder qu'est-ce que j'ai reçu. Oh! Hello! Nice! Ok. Fallout 76, je suis pas convaincu, je vais faire un thème, mais insultez-moi pas tout de suite. bonne nuit, dragon! Non, c'est sûr, on te comprend. Surtout que les rumeurs sortent, mais qui sont. Ça va plus, ça s'en est pour être. Débunker, à savoir que Fallout 76 devienne free to play. Non, ça a été démenti. Déjà, le dit, c'est en train d'être démenti. Là. Ça l'est pas entièrement, je pense. Non, c'est plutôt, c'est genre, peut-être genre à milieu de l'année ou plus tard. Quoi qu'ils vont faire free to play? Ouais, mais c'est pas tout de suite. Écoute, Warner Brothers a fait ça également pour DC Universe. Donc, DC Universe, je pense qu'il avait quand même fait des compensations justement claires aux utilisateurs qui eux ont acheté le jeu. Mais il y a Mathis qui dit que la démo ce soir, oh my god. Les bugs sur Anthem, donc j'ai l'impression qu'il y a la démo qui est disponible ce soir et que ben ça bug. C'est triste. Ça. C'est qui fait Anthem? Anthem, c'est comme une indépendante, je pense. Mm-hmm. Toi, tu sors. C'est quoi comme type de jeu? Ah, je l'avais l'autre fois les détails dans 30 secondes, tant que j'en ai d'affaires. Mathieu, c'est quoi comme type de jeu? C'est BioWare, il dit qu'il l'a fait. Ouais, ok, déjà partant. Donc, Mass Effect quelque chose. Ok, c'est les gars de Mass Effect? Bah, BioWare, oui. Je sais pas jouer à Mass Effect, donc je peux pas savoir. En tout cas, je te recommande pas Andromeda. Non, il paraît qu'il y a pas grand monde. Il y a pas grand monde qui recommande Andromeda. Je l'ai vu vraiment pas cher en plus, j'ai failli être tenté. Je pense que j'en ai vu je crois une dizaine d'un back chez Piqué. Oh wow. Bon, niveau 10 de. Oh, t'en as un autre. Ouais. Donc il me reste juste la faille de Nephalem pour finir le premier périple. Mais là, je pense que pour ouvrir la faille, il faut être 70, hein? Non, Nephalem, tu peux en faire un direct.
Ah ouais, ok. C'est, t'as besoin de rien. Hein. Ok, ben on va faire une faille. On va le faire à ce moment-là. Et... Il est où, Anti? Il s'occupe. C'est du FPS un peu à la Destiny mixé avec du Halo. Ah, d'accord. Welcome. Ok, désolé, ok. La faille est là. Ok, désolé. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ça va te faire un élément de moins dans ton périple. Mm-hmm, merci beaucoup. But first thing first, let's do it. But first, look at yourself. Oh my god, la lésion infecte. Oui, moi, je me téléporte. Je me téléporte, moi, faire. Ah, tu as mis un pouvoir de téléportation? Barnaque! Toi aussi, t'as un pouvoir de téléportation? Je l'ai pas encore, hein, apparemment. Oh, c'est un truc de sang. C'est l'affaire que je n'ai pas activée. Ouais, l'affaire de sang, ouais, c'est vrai. Tu te déplaces avec ton sang, donc à pas utiliser trop souvent. Ouais. Parce que ça, ça peut te tuer. Ouais. C'est des avis ou... Oui, ouais. C'est ça son, ah, son build de son écrou. Tragoul utilise le sang pour tuer le monde. Ce qui m'inquiète, c'est que si le jeu marche pas, BioWare va pas s'en remettre. Il a fait des Dragon Age, du coup. Tu sais que j'ai jamais fait des Dragon Age? J'ai en digital le Dragon Age qui était sur PS3, là, parce que vous avez été changé comme si c'était gratuit. Mais je l'ai jamais encore joué. Moi, je pense que c'est un des seuls jeux que j'ai jamais revendu. La version que... Je pense que c'est Ultimate, je sais pas quoi. Hein. C'est la seule version que j'ai jamais revendu. Parce que d'habitude, ouais. Le premier, je l'ai jamais revendu parce que je l'ai trop aimé. Hein. Il était bon? Oui, oui. Ok. Parce que des fois, tu peux avoir, je sais pas moi, par exemple, je ne sais plus c'est quoi la race, mais tu peux te délivrer, mais c'est genre, tout le monde ne veut pas le voir d'être là, donc tu vas faire quasiment une coupe d'affaires pour le délivrer. Mm-hmm. Il veut se racheter, puis en fin de compte, il va devenir quasiment ton meilleur ami. Hein. Non, c'est... Écoute, comme je t'ai dit, j'ai tellement de jeux et tellement pas de temps. My god. Dans ton cas, il y a Metal Exodus qui est quand même fort bientôt que tout autre... Non, mais j'ai pas le fun Day One, là. Non. C'est sûr que j'attends Metal Exodus, là, mais... À un certain moment, ça va faire, là. Non, je te comprends. C'est le gars qui a acheté Resident Evil Remake aujourd'hui. Le pire, c'est sûr qu'il va encore avoir pas mal de copies. Encore des tonnes de copies, pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça, ouais, ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça énerve. Pourquoi ça énerve? Ouais, bon, c'était un slogan de Vidéotron. C'est la pub qui disait ça qui énervait, en fait. Ouais. C'est pas le fait qu'il y ait des tonnes de copies, là, c'est la pub. Ouais, pis en plus, il est en train de tout fermer, en plus. Mm-hmm. Non, c'est fou. Ouais, mais c'est sûr que ça devrait finir par arriver, là. Non, c'est vrai. C'est vrai, on peut pas être dans le déni... tant que ça, même moi qui pourtant est un grand fan des jeux vidéo, mais moi c'est... Moi le soir, vu que j'étais pas très aussi social que je l'étais aujourd'hui, écoute, moi c'était les jeux vidéo, là, j'allais... Bon, la carte... Ok, c'est pas... Ah, ça c'est l'endroit où les trucs ont des formes bizarres. Ici. Où ça, en haut? On est pas mal fait les ennemis, FK? Oui, mais il y en aura d'autres dans le bas. Ok.
pense que c'est plutôt rare qu'à un seul étage que tu peux finir la feuille. Ok. C'est à peu près soit 2 ou 3. C'est comme ça. Oh, un ruine. J'ai encore le truc dans la tête, les tonnes de copies, pis ça c'est... Fallait pas que je le dise. Oh non, on a créé un monstre. Ah oh, non, le monde s'écrit de ça de bien longtemps, là. Ouais. Là-dessus, mais... je te fais t'en faire, là. Wow. Wow, on fait juste marcher, puis ça tue les ennemis. Ah, c'est à cause du truc que j'ai pris. Pourtant, vous étiez pas si proche que moi, mais vous l'avez acquis. Ouais. Ben, moi, j'étais proche de toi. Ah, ouais. Oh, 47. 37, j'ai bien fait avec niveau 50. Yeah. Ouais, 68. Yeah. Ouais. 57 dans mon jour. Yeah. Moi, je vais arriver dans le 70, puis elle va arriver dans le 60. Ouais. Ah, calme-toi! Arrête de me taper avec ton marteau! Espèce de tortue marteau de Mario. Ouais, pète la glace. Break the ice! De quoi, non? Non, c'est quelque chose que j'avais activé, que j'avais mis dans mes pouvoirs, mais que j'avais pas encore utilisé, puis là je viens l'utiliser. Ah, quand j'étais en berserk, ça me fait plus grand chose. Yeah. Ah, ça tu refuses de faire ça, tu fonds dessus puis c'est tout. Téléporter. Ouais, j'ai vu ça. Moi, je peux pas me plaquer indéfiniment, donc. Ah, il faut que tu meurs de mes deux. Ah. Oh, hey. Voilà le gardien. Ah. Niveau 58 atteint. Vestal infernal. Bon, il va morfler sa vie. Hein. Oh, oui, c'est déjà fait. C'est le dernier mort. Hey. Oh. C'était un gangbang. Oui, carrément. Ah, j'ai de quoi pour ton écrou. Ah ben merde, mon truc est plein. Attends. Non, parce que j'ai vu genre ça, le truc affiché. Je suis barbare puis il me donne du écrou. Of course. T'es là, ok. Tu casses ou t'es parti plus loin? Oh, parce que à l'entendant, je m'en vais taper d'autres créatures. Ok, j'ai ramassé ce qu'il fallait là. Si vous voulez, on peut sortir et fermer la fête. Ou vous continuez à taper des créatures? Bah, moi, c'est à l'entendant que vous finissez. C'est ça. Donc, on peut sortir. Ouais. La travail d'autres veut pas qu'on rentre. Attendez, j'arrive. Ok, c'est bon, là on peut aller. I must go back. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Le oui. le collant Skooma que j'avais commandé est en route. Chapitre 1 terminé donc. Donc j'ai hâte qu'il arrive pour le mettre sur ma bouteille. J'espère qu'il va bien coller. Bon, il est supposé aller sur... Tout, ouais. C'est une sorte de vinyle que normalement je peux mettre sur la voiture et puis elle résiste aux intempéries, donc c'est pas... Oh, je sais pas, c'est pas celui que j'ai eu dans mon... que tu peux trouver chez Walmart, t'as comme
une boîte surprise de Spider-Man parce que t'avais justement des vinyles, mais il collait pas. Donc je sais pas si c'est pas un truc de main. Celui-là, il a été fabriqué pour. C'est dans Etsy que j'ai fait. J'ai regardé aussi les reviews que le gars a eu. Là. Tu es la reine Aranea au niveau 60 minimum en mode difficile ou supérieur. Bah, je l'ai déjà faite. Tu es Uzael au niveau 60 minimum. Bon, je ne l'ai pas encore. Fabriquer un anneau ou une amulette au niveau 70 pour le joaillier, pas encore. Remplacer une propriété sur un objet grâce à l'enchantement pour faire un mystique. Cosmogriffer un objet auprès d'un mystique. Ça, je peux le faire tout de suite. Ben, là, changer aussi de quoi aussi, tu peux le faire. Ouais, la transmo. La transmo. Bon, j'ai une page 2. Ah voilà la transmo. Bon. Il manque la 1, la 3. Peut-être une 8, je sais pas combien qu'il y a de pages. Heard it back. Pourquoi tu as fait? Ouais, c'est ça, il me reste à tuer Urzael. À tuer aussi. Ouais, il est pas dans celui-là. Il est dans l'acte. Ouais. Lui, il va être dur à tuer, le petit maudit. J'ai fait un enchanté et puis j'ai eu l'affaire de chasse indirect. Donc ça veut dire que j'ai fait ce périple là. Il m'a tellement fait chier dans l'autre là. Je l'ai eu direct, oh my god, ça c'est trop cool. Ouais, mais moi je vais le faire, moi ça. Il est dans le combien? Dans le 4. Ben. Non, je pourrais quasiment le faire indirect sur ça pour. C'est toi, Piquet de Botte, ouais, qui a pété, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, va dormir. Non, j'ai pas de chasse. Non. Oh, t'es chiant. Aller. On vend des trucs. Ouais, le marchand. Il est en bas. Marchand, t'es où? Voilà. Miaou miaou. Miaou miaou. Ouais, c'est mon chat qui s'amuse. Pendant le jour, il dit pas Chris un Christy de mot, mais pendant le soir, il y va. La first ref a quand même pas mal de choses cool à son arsenal. La sorcière? Ah, oh, la fille de la faille? Non, mais mon personnage. Oh, ok.
Antithèse. Yo. Viens. Quel arrive. Venez où? Viens. La fille où au pierre de sang, ici, ici. Viens. Parle à cette madame et puis achète-lui un truc. N'importe quoi, gars. N'importe, ouais. C'est juste pour avoir le périple. N'importe quoi. C'est bon. Ok, non, j'ai pas assez de trucs. T'as pas assez de trucs? Ben, prends celui qui a à peu près le même nombre à peu près que toi. Hein. J'en ai 14. Ok, ouais, t'en as pas assez. Parce que. Okay, ben, il a fait une faille. Ah, ok. C'est une chance, là. Une minimum, je crois, c'est 25. Ouais, c'est 25. Bon. Là, ce cas, c'est parti. Où? Non. Ah, ok, on a qu'à rentrer dans son truc, là. Champ de bataille. Il le veut, son niveau 70, le dude. Oui, il le veut, son niveau 70. Après celui-là, je propose qu'on sorte pour augmenter le niveau et puis on revient. Je pense qu'on va augmenter beaucoup plus rapidement si on change le niveau. Parce que expert, là, ça commence à être trop simple. Ouais, mais dis ça à ton écrou. Dis ça pour ton écrou. Non, mais même vous, j'ai pas l'impression que vous rushez comme ça, là. Oups. Ah bah ouais. Non. Pas encore. Ah, ok, il a le chagrin du Simon avec lui. Des fois, mes téléphones sont random. Genre, moi, par exemple, je te téléporte, mais j'ai pas de contrôle pour quand je te téléporte. Non, c'était pas tout ce qu'elle peut. C'est là. Ah, je cherchais ce carrosse pour ça. Parce que j'étais dans la fonderie aussi. Ok, c'est pas long, moi je fais cette ennemie là parce que vous voyez l'eau. Non, tu crois que c'est ça, faut que tu meurs là. Il faut que tu meurs. Ben, certain. Ben, non. C'est toi qui quittes. Qui a pété? C'est l'antithèse qui a pété, c'est l'antithèse qui a pété. Oh.
Non, ça c'est Scarus. Pando est pas là. Ouais, c'est bizarre. Ben, il est sorti. Vendredi soir. Ouais, mais il est tout le temps là, d'habitude. Ouais, mais de temps en temps, il sort aussi. Ben, en fait, c'est samedi matin. C'est samedi matin très tôt pour lui, en réalité. Ouais. Quand il va rentrer de sa beuverie, il va venir nous voir. Ou peut-être qu'il a dormi, ou peut-être qu'il a trouvé un plan. Il a dit d'autres choses, mais on va faire non. On y a tous pensé, on a juste pris des décisions consciencieuses d'être poli. C'est vrai que j'ai dit un plan bobette. Bon, il est tous planté, c'est quoi tu voulais dire. Nous, on a tous compris que tu voulais dire. Demain, il va nous dire qu'il a perdu son ski comme sur un ski de bord. Il y a... Oh my god, c'était trop drôle cette affaire-là. Bon, au moins, ça s'est bien fini. Heureusement que ça s'est bien écoute, fini. Il est parti le récupérer 2 jours plus tard. Ça, c'était trop épique. Oh my god, t'as vu la multitude de trucs qui est en bas? Yeah. Je vais tellement descendre ici pour regarder les jeux. Bonjour les Tsunamis! Maman, calmez-vous là, calmez-vous là. On est calé, on va pour tout le monde là, c'est... On attend là. Y'a que t'as pas besoin de mourir. Ouh, ça c'est bien. Puis comment tu trouves le booster d'internet? Oh mon dieu, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ah, t'as boosté ton signal pour pas avoir trop de pertes. Ben, c'est parce que d'abord, tu sais que je suis. Bon, c'était pas un 56K, mais l'écran de 56K, mais pas loin, tu sais. Avec les pertes, ouais. Ben, parce que c'est aussi l'isolation des murs, là. C'est des murs en béton, ça. Qu'il y a. Fait que c'est que le signal passe beaucoup moins bien. Hein, y'a rien ici. Ouais, c'est parce que pour ça que Scala s'est reparti dessus. Ok. Non, je faisais juste le requin avec. C'est ça. Écoutez-moi. Tant qu'on va arriver, il en restera plus gros. Non, il reste quand même des villes. Bon, il reste un. Et voilà, ouais, la prime est terminée. 69, oui. 49, excusez. Oh, on finit tous par 9! On finit tous par 9! 49, 59, 69. Yes! Oh là là! Yati! Non. Pas de dégradation, oui. Non, rien de ce côté, rien de ce côté. Et... Oh, ça va. Ok, on va tout aller vendre. Non, je vais venir vous vendre avec ton DPC si vous l'achetez.
travaille dans lui. Ouais. Oh. Je suis pareil pour la suite. Pas long, moi. Ok, c'est bon. Les amis, je ne touche à rien sur la manette et puis il était en train de basculer comme un malade. Je ne touche à rien sur la manette, il bascule comme un malade. Comment ça? Oh, donc tu remets ton joystick un peu misère. Ouais, ben ça c'est le premier joystick qui était venu avec la PS4 donc. Le prochain, c'est Pont 2 Corsic. Corsic. Où sera da? Et on doit purifier un coffre, nous dit. Si jamais vous voyez le coffre. Non. Ah, ça y est donc, ouais. Vu qu'on se sépare pour tuer le corps? Ah non, pas forcément. Ok. Eww. What? Arrêtez de sacrer votre camp. J'ai besoin de vos armes. Oh, le coffre est pas là, le coffre est pas là. Bon, ben, je vais freiner les spéciales que j'ai en ce moment. Sinon, ils vont pas me lâcher. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? J'ai un élite qui veut pas mourir. Parce qu'il se dédouble. Ok. On vient t'aider, là. Non, pas forcément. Va. Ah, tu vois la flèche jaune, toi? Ouais, je m'en vais vers la flèche jaune, ouais. Ok. Non, c'est pas un coffre, là, c'est une grotte, là. Ah, mais c'est là qu'il faut aller pour que la grotte est dedans. Nous voici. Nouveau 1, nous voici. Hey, je me suis découvert un amour de Splatoon. Est-ce que t'as encore le 1? Je pense que oui. Moi j'ai encore le 1, ben oui. J'ai encore le 1, mais je sais pas si t'as encore du monde dessus. Pas tout, hein. Bon, ils sont des Japonais encore pour le 1. C'est sûr qu'avec Kara, tu peux avoir un. Tu peux faire une game. Mais ce que j'aime avec le 2, c'est que tu as d'autres modes de jeu que tu n'avais pas dans le 1. C'est pas mal juste des matchs versus des équipes contre. Dans celui-là, tu as des modes de jeu coopératifs. Bon, ah, c'est cool ça. Il n'y avait pas un mode d'histoire aussi ou chose comme ça? Ben, le mode d'histoire, il y a un mode d'histoire aussi, mais je ne l'ai pas fait là. Mais. Tu as des trucs coopératifs. Sauf que les maps coopératives, elles ne sont pas disponibles tout le temps. Par exemple, il y a les maps coopératives, elles étaient fermées aujourd'hui. Elles vont ouvrir ce soir à 1h du matin. jusqu'à. Elles changent aux 2 jours, tu vois. Donc, c'est pas les mêmes maps et ça donne des looks différents à chaque fois. Donc, pendant le temps que c'est ouvert, tu les fais. Ça te permet d'avoir différents looks. Ils le ferment une journée, puis ils le ouvrent après, et puis ça va être. Je vais former sur le
de toute façon d'être pas là. Nouvel événement. C'est le coffre? Ah, le coffre est là. Est-ce que tout le monde est là? Moi, je suis là. Il a des objets, ok. Oh, niveau 60. DJ? Yes, niveau 50, bravo, Montez. Merci. Combien qu'il t'en reste pour avoir ton 70 final? Un niveau. Ouais. Non, mais là, 10 bars en bas, là. 3 bars et demi. Quand même, là, quand même. Tout. Je dois rentrer en ville. Oh, mais toi, mon niveau 60, il me reste déjà deux petites barres à remplir avec les jeux. Pas 61, alors je vais dire. Qu'est-ce que j'ai? Oh. Je commence à avoir du stock lourd. Pourquoi je n'ai pas encore commencé à avoir des trucs verts? Non, c'est quand t'es un petit peu plus haut que ça tombe plus. Au niveau qu'on est, c'est pas assez. Ah, ok. Ça va être plutôt grand. Hein. Le problème, ça, je n'ai pas pris la récompense du périple du chapitre 1. Voir les récompenses. Oh, c'est un portrait. Puis des ailes de papillon. Yeah. Ah ouais, des ailes de papillon. Est-ce qu'on prend les ailes de chat? C'est ça, certains vont avoir les arcanes incroyables de vire. Comment je peux quitter la récompense? Non, c'est pas... les premières, ça va être pas de suite. Là. Ça va être juste au deuxième, tu vas récupérer deux morceaux. Puis les ailes, ça va être juste quand tu vas finir la quatrième. Voyez dans les périples, j'en ai trois de fait. Dans le chapitre 2, j'en ai deux de fait sur 11. Mais dans le chapitre 3, j'en ai trois de fait sur 11. Ben moi, dans le chapitre 1, c'est fini. Chapitre 2, j'en ai 4 sur 11. Chapitre 3, j'en ai 7 sur 11 de fait. Il manque juste chapitre 1 que je tue Bélial. Oh, ok, allons faire Bélial là, pour lui. Ensuite, c'est saison de la chasse est ouverte. Certains 5 gemmes dans votre équipement, c'est bon. Mais ça, tu vas aller faire avec Bélial. Moi, je suis mais on tue Bélial, puis on. Ben, bon. Si tu es parti tuer Bélial, Skaos. Mm-hmm. Ah,
Parce que, d'après vous, vous faites un Diablo 4. Je sais pas. Est-ce que, d'après vous, ils vont faire le Diablo 4 à un moment donné? Ils vont faire le Diablo 4. Donc, oui, c'est un peu malheureux. Non, vraiment, c'est un peu malheureux quand c'est comment que Activision font, puis ça va pas si bien que ça pour Activision, on va pas se le cacher. Bon, les gars. Big gun. On va garder pour Béliel. Oui, je les garde pour Béliel. Comme ça, on va l'achever le plus rapidement possible. J'espère que les cadavres ne sont pas... pareil. Ah, ok, ils sont là. 261. Puril. Ah, il est pas encore mort. Non, non, c'était sa forme. C'est pas ma vraie forme. C'est sa forme folle. Arrête de vomir, arrête de vomir, arrête de vomir. Et voilà. Bilial est mort. Mort et enterré. Oh, en plus j'ai une belle pièce. Oui. Il n'a pas encore eu son niveau 70, lui. Je suis rendu à moitié, hein. Ok, pas pire. Donc, ça va venir assez vite, là, je pense. Ouais. J'ai plein d'armes qui ne sont même pas pour moi. C'est quel le personnage de la vendeuse que je dois aller pour la petite fille pour vendre avec la fin? Ah, ok. Ah non, c'est elle est supposée être pas loin de la faille. Attends, dans l'autre ville, de toute façon, fait que why do I go there? Elle est là, je te dis à côté de la faille. Yo, mes ailes. Je tourne autour d'elle, là. Je tourne autour d'elle. Merci. Bon. Et voilà, merci beaucoup. Whoops. Pourquoi? Là, ben les monstres. J'ai fait un périple, je sais pas de pourquoi. Un des niveaux 3 là. Peu importe, on tue tout le monde. Ouais, ouais. Mais je suis content. La dernière fois, le périple qui m'avait fait le plus chier, c'était l'affaire de mettre la chasse. Ouais, mais là, moi, c'est moi à le faire. Du premier coup. J'ai eu du premier coup. Je ne cherchais même pas ça. Mais c'est comme, waouh. Ah, la flèche jaune est en bas. Allez, montez, je suis pas loin, une barre. Hein? Il faut une barre, il manque une barre, c'est ça que je disais. Ah, d'accord. J'ai compris d'où tu... Arrête de passer croche. J'ai pas passé croche. Eh oui. Ah!
Bon. Nice. Il manque deux. Il manque deux pour avoir le 125. Ça, on l'a fait. Rien. Non, faut tuer le... Faut tuer le boulain. Oui, ça avance. Oh mon dieu! Oh mon dieu! On fait massacre d'année. Ça doit être pas plus que qu'est-ce que moi j'ai eu. Ah ok, non, c'était pas des gobelins, comme quoi. Moi je sais pas si c'était des gobelins. Ah, le dude est là. Quel dude. Et voilà, la quête est finie. Waouh! On l'a tué comme. Non, je gardais ma transformation juste pour lui. Juste pour lui, ok. Oui, j'ai un spécial, là, il m'en manque pas beaucoup. Ah, tu cherches des bestioles pour augmenter? Yes! Yes! Yeah! Niveau 62! Et niveau 70 pour toi, GG! 51 yeah. Pour Anti! Et on est bon! Bon, les points de paragon vont s'enclencher. Hein. D'accord, on va recommencer les paragons. Ouh, excusez. Ça va. Le petit gosse de la pierre qui m'a remonté dans le nez. Ah, c'est vrai, tu peux comme ça, une bière. Bon, on peut s'en aller. Hein. Je crois que c'est de la québécoise, je crois. C'est la fin du monde que je bois. Ben, c'est son nom. La fin du monde. Ouais. La bière, je m'en fous tellement de la fin du monde que je la bois. Ouais, c'est la Unibrew. La Unibrew de le... La fin du monde. La fin du monde est à 7h. Ouais, c'est... Flash tellement. Le plus grand corps, la fin du monde. La fin du monde. Les pingouins. Qui ont bon. Fait ça, le Cédric? Non, c'est un nom qui autre chose. Donc, qui me résiste à tuer. Usarel. Dis si tu vas le faire là, je viens. Je vous êtes où? Ah, ok, vous êtes retourné au village. Et moi, je suis au village. J'ai comme 40 000 plans. Ah, oh, mais fais-les le plein. Ben ouais, c'est ce que j'ai fait là. Je vends quelques items. Avant de m'en aller tuer Usarel. Ah, ils m'ont fait chier avec votre glace de mi-deux. Bon. Et c'est parti. J'arrive. C'est celui que je pense avec son esti de gros canon de flamme. Il peut faire mal. Oh, le gros canon là. Okay. Ouais. T'arrêtes de t'enfuir, petit maudit.
au calme à soir, c'est le chat. Ouais, mais tu sais, moi, je m'attends jamais à beaucoup de choses les vendredis soir. Déjà le vendredi? Ben, t'es souvent régulier, écoute, on a parlé avec Mathieu Dallin tantôt. Ouais. Il y avait Mr. King, Monsieur King qui était là. Il y avait... à Guillemette qui était passé au début. Ouais, c'est pas là que je dois aller. Oh, il faut descendre cet escalier. Oh, d'accord. C'est comme deux. Yeah. Dire qu'il a commencé à niveau 19. 7, encore pire. Oh my god. Ok, il est 7. Oh my god. Ouais. Non, c'est mon gars qui est en train de faire du bruit là. À la chaîne, ouais. À 11h le soir. Ouais. Il est pas couché encore. Non. Ah oh ben, écoute. Bon, je vais vous attendre pour ce boss là. Attends, quel boss? Pas usuel. Mais le truc, c'est pas en bas qu'il est? Oui, il y a une prime, mais c'est pas de ma faute, là. Oh, Alex. C'est quoi le rapport de ça, pas de ta faute? Ben, si vous voulez, je peux l'activer, puis vous l'acceptez. Ouais, il y a ça, mais ça me laisse là. Ouais, là, maman joue est inactive pour l'instant. Ok. Non, je suis là. Ok, je pensais que c'était vous qui avez coupé. Ok, accepté. Alright, t'es où là? T'es là? Là, c'est le dude au canon là. Ah, éviter, c'est les cercles. Non, je vais pas mourir, c'est... Ah, shit, man. Non, il pensait que ça allait être. Il pensait que ça allait être du gâteau, mais finalement. Bah oui, c'est quand même la carte. Ouais, c'est pour ça que. Pour nous autres, oui. Ouais, il y a de la vie là-bas. Mais si, voilà, il y a qui va. Allez, t'es mort là, t'es mort. Bon, yes. Oh, merci. Voilà. Ouais, c'est une chose de moins faite. Oui, terminé chapitre 3. Juste. 3 trophées, hein, messieurs, merci beaucoup. T'as eu un trophée autant? Ben, encore un trophée, ouais. Eh ben, si c'était la chasse au trophée, cette soirée aurait été très fructueuse pour toi. Oh, yes. Chapitre 3, j'ai 7 sur 11 de fête, mon dieu. Je t'en cherche jamais, donc je peux pas le dire. Moi, je suis en 7 sur 11, moi aussi. N'oublie pas d'aller chercher. Quand j'arrivais. Ok, moi, chapitre 3,
7 sur 9 dans le chapitre 1, 3 sur 11, 4 sur 11 pour le chapitre 3. Ok. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui... Enfin, mes équipements. Holy sweet baby Jesus. Holy sweet baby Jesus, Mary, Joseph, and Moses riding a unicycle and juggling with red faces. Yay! Yeah. Je suis content de l'avoir retenu. De quoi? Ben, son truc c'est de Moses, nanana. Quoi, moi, je peux pas le retenir. Bon, il est où le vendeur ici? Oh, j'ai une arme de 2000 de dégâts. Oh my god. Oh shit. Peux-tu l'équiper ou tu dois attendre? Ben oui, je peux l'équiper! Ah, ma chanceuse! Moi, mon arme face c'est 2557. Nice! Ben. Bon, ok, t'es au top là. Moi, que je peux attendre de quoi, sans ça, m'a être mort. Bon. Bon, mon casque peut être équipé de quelque chose, donc... Ça, c'est rude. Appel des anciens dure jusqu'à la mort de ces derniers. Enfin. Ok. Faire quoi la scase? Ah, vous voulez arrêter? Non, où est-ce que tu es parti? Faire quoi? Ben, où est-ce que t'étais? Dans les ruines de machin? C'est donc bien tranquille, ces ruines-là? Ah oui, c'est vrai, j'ai un pouvoir que je pouvais mettre. C'était ça. On a tué tous les ennemis, là. Maintenant on doit tuer Garant. Oh, gobelin rouge. Gobelin rouge. Oh. Là, il pourrait le faire, là. Ok, il est à droite. C'est de l'autre côté. Je sais, mais il y avait un gobelin. C'était justifié. Le gobelin, c'est payant. Alors, voilà. Mm. Tu n'as pas encore été dans le monde arc-en-ciel, hein? Non, pas encore. Pas encore. Je t'ai vu dans le monde arc-en-ciel, par exemple. Ça avait l'air de t'être assez... n'importe quoi, là. Il y a des super loups là-dedans, en fait.
Ouais, à un moment donné, ça m'avait aidé. Garin est là. Ben, Garin est plus là. Oui, voilà, Garin est plus là. Garin est là. Non, Garin est plus là. Garin est mort. Garin n'est plus. C'est mort. Bon, là, il en reste un. Oups. Il y a un ami qui me regarde pis il dit oh, tu te téléportes, fait que je pars. Est-ce que je te touche? Est-ce que je te touche pas? Je le sais pas. Ah, pis non, regarde, je te touche pas. T'attends pas. Là, Scott, t'es déjà parti, je pense. Mm-hmm. Au cœur d'Aria. Moi, je regarde si j'ai des trucs que je peux équiper. Ok, non, ben on peut s'en aller. Oh my god! Oui, non, ça. Il reste ça. Il est étourdi, le petit bébé. Oh, comme j'aime ça, plein d'ennemis. Oh mon dieu. Orgie des cadavres. Ça ressemble tellement à une arène de boss. C'est un boss aussi. Passe. Oh, c'est ça le point, c'est qu'elle s'est là. Il a une belle voix par contre. Ouais, belle respect tout. Il est mort! Pour mourir, Asmodan. Ah ben ouais! Et voilà, un quatrième trophée pour moi ce soir. Oh my god, décidément! Décidément! Trophée! Ouais! Laisse-moi voir qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant. Oh, je commence à avoir des pantalons intéressants. Hey, il y a une quête qui est déjà finie. Oui, c'est le dernier. Ah, ok, c'est bon. Oh, visage d'un... d'Ariel. Reine des Enfers. Intéressant. J'ai hâte de commencer à recevoir mon armure. C'est pour ça que j'avais hâte d'être 70. Ouais.
j'approche du 54 assez rapidement. Ben écoute, ma cinquième barre est quasiment finie, fait que... Moi je peux apprendre de quoi là, la voix. Ah, c'est chier. Bon, celui-là, c'est quoi? Terminer une fin et finir en difficulté calvaire ou supérieure. Tuer. Sultan en calvaire, ouais. Calvaire aussi. Obtenir une cache de prime. Lecteur. Ok, ça, c'est déjà fait. Extraire le pouvoir légendaire à l'aide du cube. Ah, c'est ça, j'attendais, moi. C'est pas que j'en dois assez. Okay. Ah, ça, je l'ai fait, ça, le cube. Ah, je peux faire le monde des vaches. Mmh. Ça, c'est quoi, ça? Quand vous êtes couché... Non, touché. Vous avez la chance d'infliger 1000 dommages d'épines proches. Vous obtenez un aura mortel qui inflige mortel de dégâts. Puis c'est ce qu'il gagne de votre vie. Vous l'avez déjà poussé loin en HC. Hmm? C'est quoi HC? HC. Hardcore. En hardcore. Ben j'avais fait le mode hardcore pour avoir le trophée, mais après ça j'ai pas rejoué en hardcore. J'ai encore mon personnage de hardcore, mais je l'ai pas rejoué. Ouais, les dégâts de foudre. Les attaques libérant une noble prison. Après avoir gagné un bonus de survie. Je pense le premier. Bon, les amis, je propose qu'on fasse un dernier. Il fallait ouais. Pour ce soir. Oui. C'est bon? Je seconde la motion. Ok. Ben, je vais ouvrir un Nephalem. Ok. West Chaos. Chaos, c'est un. Quoi, on l'avait pas déjà fait l'année dernière? Ouais, mais on va le faire. On va faire une dernière faille là, juste pour terminer. Pardon. Oh là. Ah, ta gueule. Sauf même, mec, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'y aller avec des trucs, là. J'ai un niveau 54 à acquérir, puis... Ouais, tu l'as déjà eu, ton 54. Non, c'est ça. Je pense d'en avoir un autre niveau assez rapidement. Comme c'est là. Ah ben oui, moi, mon niveau 63 est déjà presque plein, là. Oups, attention aux anneaux. Aux anneaux. Les affaires. Les rayons. Ah, 64. Ou les néons, ouais. Yeah. Les néons. 55. Nice. Oh mon dieu, je l'ai détruit. J'avais bogué pour une fraction de seconde. Ouais, j'aurais le ralentissement un truc. Ouais, j'ai mon personnage qui est resté bloqué sur place. Ok, ok. Bruh.
65. 56. Wow. Est-ce que tu as trouvé un autre niveau? Non, non. Ouais. Je démonise mon. Là, oui. Ok. En 16, on monte. Oui. C'est quoi? Monte. Attends, c'est pas là. Monte, tu dis, d'accord. Vive la téléportation. Yo, t'es toujours pas là. Explique. Il y a des belles petites affaires aussi en bas. Oui. Ouais. What the fuck? Ah, le voilà, le gardien. T'es où? T'es où? T'es où? Il est en bas. Ah, ok, il est là. Hé, hey, toi, quand ça va? Et voilà. De quoi, hein? Et on a fait une superbe faille. Quelle agréable façon de compléter une séance. Donc, niveau 65 pour moi, 57 pour Anti, et 70 pour 14. Paragon, 14. Avec Chaos, nice. J'ai hâte d'arriver à 70 aussi pour pouvoir commencer à faire des Paragon. Là, vous faites quoi? Ouais, je vais faire un peu, mais on va. Ok, donc. Moi, mon live, ça va être fini. Ça va finir là. Mm-hmm. Donc, pour la fin de semaine, j'ai pas de live de prévu en tant que test. S'il y en a un, ça va être comme un live surprise. Mais. Sinon, on revient la semaine prochaine. Pour notre horaire maintenant qui devient quand même pas mal régulier.